à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports. Et là, on n'est pas sur une adaptation de comics sensu stricto puisqu'on est plutôt sur une adaptation de licence de jouets d'abord, mais qui a eu un énorme historique en bande dessinée, notamment avec un dernier volume signé Daniel Warren Johnson. Et donc, on avait envie d'en parler sur First Print. Et dans cette émission, bien entendu, je ne serai pas tout seul puisque je ne suis pas expert sur les Transformers et c'est pour ça que J'en ai dégoté deux euh, bah, qui passent sur France Inter euh, quand il y a une émission blockbuster sur Transformers. Ada, bienvenue à toi. Salut. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va et toi Ça va, tu as, tu as l'air un petit peu fatigué. Oui, assez. <laughs> bon, ouais, j'espère que quand même ta venue dans First Spring ne te fait pas trop peur. Non, ça va. À tes côtés, il y a Magnus. Salut Magnus. Bonjour. Tu es timide aussi, vraiment. Il va falloir, oui, il va falloir. Fort, là, ouais. ah là, il faut un peu se, allez, se, ouais, se réveiller. De toute euh, façon, vous allez, vous allez prendre sur notre troisième invité, qui est un peu, voilà, le troisième membre de, de First Print, euh, puisque je t'ai simplement sorti du couloir où tu Ça sièges fait. en général, où tu attends juste qu'on fasse des podcasts cinéma. Tu vas bien, Splinter Ça va super. Très bien. Alors euh, Corentin, qui est d'habitude sur cette chaise, n'est pas présent aujourd'hui puisque en fait, euh, il fait, bah, il il a... décédé. <laughs> Alors, il... <laughs> mais il revient. C'est un dernier euh... point, Corentin. C'est ça, Ben. Et ça c'est tout à son honneur. C'est ça. Et ben, il ne le fera pas. Mais justement, en fait, je me repose un petit peu sur vous parce que pour ça, ceux qui nous écoutent. Donc en fait, moi, je vous ai entendu euh, justement dans l'émission de Frédéric Sigrist, le blockbuster sur Transformers, où euh, bah vous avez neardisé comme euh, comme j'aime à ce qu'on nerdise un petit peu euh, sur le service public. Ouais. Euh, mais alors juste, on va pas refaire tout l'historique des Transformers, parce que c'est pas une interrogation euh, non plus, mais Grosso modo pour expliquer le concept, est-ce que vous pouvez un peu juste rappeler ce que sont les Transformers au, dé au départ, si ça si ça vous va. La licence ou l'histoire. Euh, la, la licence, ouais. Juste pour qu'on voit un petit peu. Euh, ouais, vas-y D'où on parle avec l'historique et voir juste peut-être rappeler le premier film d'animation et ce que ce qu'a été la licence après au, au cinéma, okay, tu vois, okay, hein, ce genre de point là quoi. Ok donc euh, pour remettre un tout petit peu de contexte, Transformers c'est à la base une ligne de jouets euh, importée par Hasbro aux États-Unis mais qui est basée sur des jouets japonais qui a été adapté donc par Marvel en bande dessinée et du coup, aussi en série d'animation. Et donc, pour parler film d'animation, justement, parce que c'est le sujet du jour, en 1986, on a un premier film qui sort, avec notamment le dernier rôle d'Orson Welles, qui est quand même assez mémorable, euh, et qui avait à l'époque marqué une génération d'enfants pour la mort d'Optimus Prime, notamment le personnage principal de la série. Euh, et donc, suite à ça, la licence a continué d'exister, s'est transformée, sans mauvais jeu de mots, euh, au fur et à mesure des années, jusqu'à notamment arriver bah, au premier film live aussi de Michael Bay en 2007, et surtout, beaucoup de comics, de séries d'animation, que ce soit cartoon, US, animé, on a eu de tout. Euh, et puis, bah, jusqu'à ce deuxième film d'animation euh, cette année avec Transformers One de Josh Cooley. Et on sait pourquoi, en fait, ils n'avaient jamais repensé à vouloir faire de l'animation pour le cinéma, en fait, parce qu'il y a eu des séries d'animation entre temps, entre, entre le premier film et, et aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que c'est le deuxième film d'animation en 40 ans, en fait. C'est ça. Alors, en fait, pour être tout à fait précis, il euh... y a eu... Un... C'est ah. le deuxième film d'animation qui sort au cinéma parce qu'on en ouais. a eu on a eu bah, c'était quoi déjà c'était Predacon Rising on a le... eu Predacon Rising ouais, qui était ça. la fin de Transformers Prime en 2013 ouais. qui était un film direct ou vidéo en fait d'accord ouais et on a eu deux petits films pour la série Cyberverse le souvenir c'est ça et aussi en 98 une série japonaise Beast Wars 2 donc qui était en fait la suite de la série Beast Wars en Occident euh, l'une des suites et il y avait eu un film fait et diffusé uniquement au Japon donc techniquement c'était une sortie ciné mais uniquement au Japon dans un, un laps de temps très limité et qui a eu un des produits dérivés les plus fous que j'ai jamais vus des saucisses Transformers officielles euh, vendues incroyable vraiment incroyable. donc voilà c'était euh, c'était exceptionnel mais effectivement Transformers 1 c'est la deuxième fois seulement qu'un film d'animation Transformers sort à grande échelle on va dire donc... voilà en tout cas pour les occidentaux euh, exactement et du coup c'est qu'ils avaient fait des saucisses en forme genre des Transformers qui avaient euh, des bras saucisses ou c'était juste des, un logo euh... c'était des sachets de Knacky euh, avec ah mais juste des, ils sont euh... d'accord okay. voilà. c'est ça c'était le merchandising <laughs> pur euh, vraiment oui, <laughs> Tu veux, il y a même du merchandising, par exemple, de la sauce tomate Heinz sur Transformers Animated. Voilà. ok voilà c'est vrai qu'Heinz fait des paris, ils avaient fait c'est pour vous 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 verrez vous ils avaient fait euh, ketchup moutard ketchup donc moutard, euh, on n'arrête pas le progrès okay. mais, mais quelque part on, alors moi j'ai quand même une, je pense qu'une question que tout le monde se pose à, au moment où il nous écoute c'est est-ce que vous est-ce que, est que vous avez goûté est-ce que vous avez goûté les saucisses Transformers j'aurais <laughs> bien aimé mais non non vous pas ai je pense que si elles existent encore elles doivent pas être en très bon état <laughs> ce qui nous en reste aujourd'hui c'est la pub pour les saucisses de l'époque qui est toujours sur internet d'accord c'est la seule trace qu'on a malheureusement alors je m'engage je m'engage à, à chercher cette pub et à la je mettre dans cette... la description <laughs> tu allais dire à chercher cette dernière saucisse <laughs> qui doit exister au Japon et tout non 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 parce que je tiens quand même à, à, à mon estomac mais je vais, je vais, je vais essayer de trouver la, la, la bande annonce et la mettre dans la description de ce trailer de ce podcast comme ça quand même vous, vous ne loupez rien euh, alors la question plus générale aussi que, que, que j'ai à, à poser à vous trois euh, c'est simplement ouais, votre lien à Transformers en fait est-ce que bon, après vous je, donc vous êtes des connaisseurs donc j'imagine bien que vous êtes des fans parce qu'on ne devient pas expert d'un truc qu'on n'aime pas ce serait quand même un petit peu, un petit oui. peu chelou mais et ouais, qu'est-ce qu que vous préférez, en fait, euh, chez, dans, dans Transformers? Est-ce que c'est les films, les comics, les jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des, des jeux vidéo aussi, les séries, l'animation? Quel est votre rapport à, à ces personnages aujourd'hui? Les comics. Les comics. Ouais, les comics. Euh, que ce soit les comics Marvel G1, hein, que ce soit les comics ADW1. Et, euh, quand je parle d'ADW1, je parle de la dernière phase. Donc, euh, ça va être. Alors, il faut qui... expliquer à, ceux, à celles ouais, ceux qui, qui, qui n'ont rien lu de, de comics. C'est More Than Meets the Eyes. Voilà, par exemple. C'est, euh, je pense, une bonne porte d'entrée pour les gens justement enfin qui souhaitent lire les comics euh, on n'a pas vraiment besoin de, de savoir quoi que ce soit c'est juste du space opéra euh, d'ailleurs il y a Megatron dedans il <laughs> y a Megatron qui devient un Autobot Okay. Quelle l'une voilà. des storylines les plus ouais, euh, ouais, ouais. controversées, on va dire, mais dans voilà, le bon mais sens du terme C'était couillu, il hein, faut, faut le dire. Hein. Voilà. Bah, sur le principe, oui, c'est comme ouais. si. Il euh, okay, fallait le tranquille. faire. Euh, en tout cas, James Roberts, c'est un très bon scénariste. Euh, et Alex Milne n'était aussi un... Enfin, un très bon dessinateur. Donc, vraiment, ces comics sont merveilleux. Et ensuite, euh, ouais, les Comics Breakers, incroyable. Ah, mais vraiment, les Comics Breakers, c'est. Euh... Donc c'est chez ADW aussi. Ouais, c'est encore ADW 1 et euh, ouais c'est incroyable vraiment. C'est comment dire euh, une critique des action heroes <laughs> voilà. Donc c'est bien bourru bien voilà. Euh, c'est euh, si les gens ont bien aimé les nouveaux enfin les nouveaux comics chez Skybound, les comics records ils vont adorer. Okay. Voilà. C'est ce qui s'en rapproche le plus. En fait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, bon, après les commissaires du W2, donc euh, la nouvelle continuité, celle qui a été éditée euh, en France par Vestron, okay. c'est euh, pas ouf. D'accord. Je, je tiens à le dire, c'est pas ouf, mais. Euh... Bon, C'est-à-dire que celle qui est bien, c'est celle qui a pas été éditée en VF. Exactement. Euh, okay, ouais. Bon, bah, ça va réduire le parc de lecteurs quand même, euh, ouais, <laughs> de potentiel. Ouais, ouais. Mais euh, j'avoue que bon, si jamais les gens sont assez euh, curieux. curieux et puis ils savent bien parler anglais, euh, pourquoi pas. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment les comics qui m'ont fait totalement plonger. Et après, j'avoue qu'il y avait quand même la série euh, Transformers Prime, qui était, euh, ouais. <laughs> Il y avait ça. Et euh, bon, après, bien sûr, les films. Oui, de toute façon, les films, c'est un euh, Les gens de notre génération, on, a dans, on est dans oui, la Oui, parce que voilà, voilà. On vous est dans vous êtes, euh, euh, nous, on est euh, les papiers de ce podcast. Euh, euh, hein, moi, y a vous vous <laughs> non, mais t'abuses, ça va, tranquille. T'as quoi, t'as 10 ans de plus que nous? C'est ça, c'est beaucoup. Bah, c'est pas énorme. Dès que tu pars. Oui, ouais, ça va. <laughs> Vas-y, euh, tape-le. Voilà, vous êtes en la génération. La... <laughs> vous êtes la génération 2. Nous, on était la première quand on était, on était là avant. Hein. Je on te jure. Était... <laughs> mais c'est vrai que, ouais, notre génération, euh, donc, ceux qui ont la vingtaine, c'était aussi les films qui nous ont, qui nous ont fait plonger en premier. Ensuite, il y a eu les séries et, euh, bon, voilà, moi, j'ai vraiment totalement accroché avec les comics, quoi. Je... Mm. Et Je te pose la même question à toi, Magnus. Bah moi en fait pour le coup mon attachement c'est vraiment avec tous les pans de la licence et plus par période en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit j'avais découvert avec une série, euh, puis est venue une autre série, la G1 que j'ai découvert ensuite, puis les films euh, un peu plus tard, un an ou deux plus tard les comics et en fait depuis. Euh, puis les jeux vidéo aussi évidemment. Euh, en fait, depuis, c'est plus par période. C'est-à-dire des périodes où je vais être plus dans les comics, donc je vais en lire euh, par-ci par-là. Des moments où je vais être plus série, où je vais me dire bah tiens, et si je me refaisais quelques épisodes de telle ou telle euh, série. Et, euh... et si on regardait euh, cette série ultra obscure euh, japonaise qui a jamais été éditée en France. Ouais, voilà, oui, ça, voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Et euh, non, après, tu, bon. Tu pour sais pour, pas euh... ce qui me fait ce qui me fait manger. Hein. <laughs> des fois, j'ai. Bah, envie des, des sociétés Transformers, visiblement. Ouais, il faut se cultiver ah, un okay. petit peu. <laughs> Mais, et puis après bon bah effectivement les films c'est le côté un peu immanquable parce que bah, de toute façon c'est euh, pour le grand public on y revient toujours et souvent en fait par exemple sur ma chaîne YouTube ce que je fais c'est que je base euh, un sujet par exemple sur les films de dire bah tiens vous avez vu tel personnage dans les films voilà pourquoi il est mieux ailleurs en gros c'est un peu souvent ce que, <laughs> souvent ce que je fais mais euh, ça reste une bonne porte d'entrée parce qu'il faut aussi ouais. reconnaître que le cinéma ça a une portée même un film comme Transformers One qui fait pas des gros scores au box-office il a quand même plus de chances de marquer un public large qu'une série de comics que pas beaucoup de gens objectivement va lire à l'échelle de d'une la société quoi on va dire donc c'est euh... c'est un c'est une... bon, c'est une... oui, vraiment le thème de, de ce, ce podcast là, la saucisse hein. non mais c'est c'est très bien ce que tu dis par rapport à, à la porte d'entrée que représente le cinéma par rapport en, enfin aux comics en tant que tel et ce qui est une dure réalité à laquelle il faut totalement. il faut savoir composer quand on aime les comics c'est que effectivement c'est pas oh. le médium principal pour pour faire découvrir très bien Yérim, je me tourne vers toi euh, toi t'es pas forcément euh, fan de Transformers euh euh, non bah en fait j'avais j'avais vu euh, bon, quelques épisodes là c'est de la vieille série animée ouais euh, et c'était pas du tout euh, mon délire quand j'étais petit en fait euh, et euh, et après bah du coup j'ai pas j'ai pas du tout suivi tout ce qui est comics en fait et, euh, et je m'y suis remis avec les films de Bay en fait et c'est au départ je détestais et après c'est vraiment le côté journalisme cinéma qui m'a remis dedans parce que en gros le seul vrai intérêt de ces films en tout cas pour moi c'était vraiment le côté maniaque de Michael qui du coup prend ça comme prétexte pour vraiment selon ses propres mots défoncer la concurrence que c'est un mec très subtil en interview donc en gros euh, il enfin tu vois à chaque film il proposait en fait des, des nouvelles choses alors je comprends que ça plaise pas parce que même moi c'est pas non plus des trucs que je revois souvent euh, voire jamais mais en gros euh, ouais il était euh, il avait trouvé on va dire les bons jouets pour euh, son type son type de réalisation quoi on va dire et euh, euh, après donc par contre ouais euh, même si j'étais au courant qu'il y avait des histoires, on va dire beaucoup mieux écrites quelque part ailleurs que sur un support cinéma. Euh, C'est ouais, vrai que l'univers Transformers, du coup, j'étais. Euh, j'étais resté un peu un peu à l'extérieur. Euh, et puis bah, après, j'ai continué euh, plus par devoir qu'autre chose, enfin, plus pour le taf qu'autre chose. Donc euh, d'ailleurs, j'avais loupé euh, celui qui était juste euh, Bumblebee mmh. avec euh, John Cena et je ne sais plus qui. Euh, donc, celui-là, par un poids, je l'ai toujours pas vu. Et après, euh, du coup, j'ai revu le dernier, j'ai vu le dernier Rise of the Beast. on avait fait un podcast dessus. Non, on devait le faire et t'avais loupé la Projo. Et je t'avais dit c'est dommage, c'est la meilleure scène post-générique en termes de stupidité que j'ai vu depuis très longtemps. Et on n'a bah pas oui. fait de podcast non, dessus. Au final, on enfin pas, pas peut-être pas avec toi mais j'en ai ah je suis oui sûr que j'en ai fait un bah oui parce que enfin avec oui le, la façonne qui utilise le crossover le Transformers G.I. Joe c'est le Hasbro cinématique. Ouais, c'est ça ouais. En plus quand tu le voyais, tu disais non, c'est pas possible qu'ils y croient premier degré et tout. Mais je crois qu'il qu va, tu... va je crois que vos dernières nouvelles le film c'est comme si tu pas c'est comme si tu ouvrais une porte et tu papi qui oui, je vais vous aider tout de suite. Non mais OK, tu possèdes les deux IP mais pour ça qu'il faut s'emballer, tu vois. Après, ah bah... pour euh, remettre quand même un peu de contexte, ouais. faut savoir que depuis les premiers comics Transformers, ouais, c'est deux licences qui coexistent pour le coup. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un vrai souci avec euh, les crossovers qui est mmh. jusqu'à maintenant avec les G.I. Joe, parce que Transformers c'est des enjeux euh, à galactique, grande échelle presque, galactique, ouais. et les G.I. Joe majoritairement ça va être des, des intrigues sur Terre euh, contre des terroristes, ouais. contre des, tout ça. Donc en fait, faire une histoire qui lie les deux. Euh, il faut déjà nerfer un peu les Transformers, il ouais. faut leur donner soit une place moins importante, soit euh, voilà qu'ils soient moins nombreux, euh, mais il faut trouver de façon, une façon, oui, de de, de rendre la chose bah, pour donner de l'intérêt au GI Joe, parce que sinon, ils ont rien à faire là, concrètement. Ouais. Après, je suis d'accord sur un point, c'est que par exemple, si on reprend les films de Michael Bay, euh, qui justement ont ce côté très militaire, très machin, on aurait pu remplacer ça par les GI Joe. Pour moi, oui, il n'y aurait eu aucun problème, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Donc euh, Mais euh, effectivement, sur le, le crossover qui arrive... Euh, je crois qu'ils vraiment... l'ont potentiellement enterré. Pas du tout, non, 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 non pas non. du tout. Non. Il y a une interview du producteur euh, qui est sortie à deux mois maintenant. Oui, Bonaventura, ouais, qui dit ah, qu'en ah, Di qu en fait actuellement ils sont toujours à l'écriture du script, euh, mais qu'en fait ils veulent juste éviter d'en faire un gros bordel. J'ai envie de leur dire bonne chance, <laughs> euh, mais, euh, <laughs> mais sur, surtout que déjà gérer la licence transformer tout court pour eux c'est pas toujours facile. Euh, donc si on y rajoute les G.I. Joe. Moi, je suis très sceptique sur le film, mais c'est parce que oui. je suis pas fan de G.I. Joe à la base non plus. Euh, mais par contre, les nouveaux comics G.I. Joe dans l'Energon Universe, justement, me font un petit peu espérer et me font me dire, OK, si jamais... Ils il, il vont un petit peu sur ce point-là. Ouais, Peut-être que. Tu, tu, toi et moi, on sait très bien que Lorenzo di Bonaventura va pas lire de bande dessinée. <laughs> bien sûr que. Euh, <laughs> donc, ouais. faut, faut pas faut sourire. Pas, faut pas on pas le revenu maintenant depuis le temps Ouais, mais le quand c'est ça, c'est que même dans les comics de chez, chez Marvel, il y avait déjà eu des crossovers, en fait, entre. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Euh, Au-delà de Marvel, il euh, y a eu. Mais euh, Tom Scully on a. Oui, et Tom ouais. Scully on a fait un aussi qui est sorti oui, chez Vestron. Le... Et qui, apparemment, celui-là, il y avait très bien. Quand ah. n'est pas là, mais il m'en a souvent dit le plus grand bien. Mais après, c'est plus parce que c'est Tom qui le fait que à cause mmh. de, que par le crossover donc c'est pas complètement idiot non plus en tant que oh tel oui, tu ça pas, euh... sur après en fait c'est vrai que tu t imagines plus ça en crossover en dessin animé d'ailleurs ça, ça a dû exister il me semble ou peut-être pas en mais... dessin animé très peu il y a quelques non. épisodes de l'AG1 notamment hein, où on voit Cobra Commander mais en fait les. Ah, bah c'est ouais. voilà, très rare en fait les crossovers en dessin animé alors que pour le coup là il y avait le potentiel c'est plus simple euh... d'ailleurs je, je tiens à dire euh, ce fameux épisode de l'AG1 il est abominable ah, il est pas oui. bien. Bon, il est abominable. C'est stupide, vraiment. Je, je crois que c'est un des épisodes les plus stupides. <laughs> comme la comme moitié des épisodes de la G1. <laughs> oui, non, mais. Bon, je suis désolé, mais bon, Vous étiez allé revoir parce qu'ils avaient rediffusé les quatre premiers épisodes de la g au cinéma ouais, aussi. Oui, ouais, ouais, ah, ouais. Et ça, et pour vous, C'était pas un de ceux-là, mais bon, c'était sympa après de les voir quand même oui, sur C'était le les écran. quatre premiers épisodes, c'était oui. l'entrée, enfin, c'était l'intro du. Je trouvais quand même que ça avait vachement vieilli euh, oui, en bah, termes d'animation. Ça, et... ça prend un coup. Déjà, à l'époque, c'était pas ce qui se faisait de mieux, mais aujourd'hui, ouais. c'est terrible. Et puis au-delà, c'est compliqué d'animer des mechas. Oui, aussi, c'est pas donné à tout le monde. Quand t'as pas beaucoup de budget, quand t'as pas. C'est, ouais, clairement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et comment vous aviez accueilli alors la nouvelle de quand vous, quand vous aviez su qu'il y avait un film d'animation euh, qui revenait aux origines de, de ces personnages Vous étiez enthousiaste. On était extrêmement content ouais. <laughs> Parce qu'on savait exactement euh, enfin à quoi s'attendre s'était dit mais attends mais un film sur les origines donc ça va être sur Cybertron après c'est vrai qu'on avait eu un peu peur sur la DA au début on s'était dit oui, bon, est-ce qu'on va se taper un des designs dégueulasses à la Michael Bay ?» voilà euh, mais au final non on a été euh, mais, euh, très 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 content et euh, en fait on a eu ce que les fans voulaient depuis le début <laughs> C'est ça. En fait, pour moi, c'est un film qui aurait limite dû sortir il y a dix ans. En fait, déjà euh, dans en termes d'histoire, parce qu'en fait, tous les éléments de de l'or, d'intrigue qui sont introduits là étaient déjà là euh, à l'époque. Euh, et je pense que justement sortir ça à une époque où Transformers était beaucoup plus populaire au cinéma, euh, ça aurait pu encore plus marquer euh, de monde. Comme une bah, sorte de spin-off euh, au film de Bay à l'époque. C'est ça. Pour le coup, ça aurait été intelligent. Surtout qu'en plus, c'est un film qui a été à la base développé euh, chez Paramount à l'époque de ce qu'ils appelaient la writers room, qui était en fait une chambre de scénariste où il développait plein d'idées de films. Alors ça a donné l'abominable Transformers 5, euh, ça a donné Bumblebee, ça a partiellement donné Rise of the Beast. Et en fait, Transformers 1 était une idée donc qui datait de 2015 et ah oui, qui okay. a fini tamam. par être donnée à Josh Cooley seulement en 2020. Et c'est en 2020 vraiment que la production a commencé. Ouais, fait. mais tu vois, je suis assez contente au final euh, que euh, le film n'a bah, pas été produit à l'époque euh, de Michael Bay. Parce que grâce à ça, on n'a pas eu justement ces... Oui, et là, c'est complètement détaché de Michael Bay. Ah oui, ou pour non, lui. non, mais c'est ça, c'est vraiment... Ouais, peut-être que coin, ça aurait été... Euh... C'est une porte d'entrée, enfin voilà, euh, vous voulez euh, voir un truc Transformers, vous connaissez pas la licence, vous y allez et puis c'est tout. Et euh, non, non, vraiment, je suis assez contente justement qu'on ne se soit pas tapé euh, bah, la direction artistique de Michael Bay. C'était... <laughs> C'est ça. Je suis désolé, ouais, mais. Ça, oui. ça envoie <laughs> des scutes comme ça en, en, non, non, en mais, douceur. Non, mais c'est vrai, quoi. Je suis désolé, mais les bouts de métal, là, qui sont indiscernable. On les... du budget en plus, non, non, en <laughs> donc. Euh... c'est vrai. Ouais. Très bien. Et alors juste pour compléter, enfin pas pour terminer, et non pas que ça vous intéresse, mais je me pose à moi-même la question hein, de mon rapport à Transformers. <laughs> mais pour que les gens qui nous écoutent euh, s'y tuent bien. Non, parce que moi, euh, bah j'avais effectivement, je pense. Alors pourtant, on n'est pas de la même génération, mais je crois que mon premier contact c'était aussi avec les films, puisque euh, et c'est une histoire très difficile à entendre, mais mon père me laissait pas regarder les dessins animés quand j'étais petit. Euh, voilà, donc euh, j'ai j'ai loupé tout un tas de trucs, euh, Dragon Ball, euh, bah, Transformers, euh, beaucoup de choses comme ça. Regardais euh, que des films d'horreur du coup. Bah non, même pas ça non plus. <laughs> mais je devais les, les empruntais en cachette à la médiathèque ah de mon ouais. village pour les mater quand ils partaient au boulot. C'était vraiment un, un, un <laughs> tout un marathon un peu un peu stupide. Euh, mais du coup, ouais, j'ai jamais, jamais forcément rattrapé et j'avais une image très très négative de la licence euh, parce qu'à l'époque, euh, les Transformers de Michael Bay c'était aussi bah euh, le réalisateur sim euh, qui filmait le cul de Megan Fox comme oui, c'était bah, un oui. personnage à part entière en fait, même, ouais. même quand il la en place, en fait tous les persos féminins sont filmés pareil ouais c'était pas le, le, quand je, la première fois que j'en ai entendu parler c'était pour le euh... film avec Megan Fox donc il euh, y ouais. avait tous les commentaires sur sur la façon euh, enfin où ça bijache sur euh, sur euh, cette actrice aussi. Son, même son même enfin le casting il a juste invité chez lui et il lui a demandé de il l'a filmé en fait en train de en train de laver sa voiture ah oui. C'était ça, le casting. C'était ça, le. D'accord, ouais. Donc, tu dis, ouais, c'est pas une légende. Quand on dit, il filme les actrices avec une seule main, c'est, ouais, tu dis, ah ouais, ok. Oui, <laughs> il, va, <laughs> il est que, que là-dedans. Et t'avais les gros ralentis avec les drapeaux En fait, t'avais tous les ouais, clichés avais déjà cumulés tout, avec un héros qui est particulièrement stupide. Parce que même quand tu, quand tu skips et que tu passes à marco Walberg, c'est censé être un scientifique, mais c'est toujours un mec qui a des réactions. Non, c'est un, un, ouais. un vieux redneck. Bah, c'est ça, tu vois. C'est un vieux réac, redneck. C'est oh, ça. Ouais, c est c est stupide. Ça. Et euh, ouais. Mais, mais ouais, non, clairement, c'est, enfin, si tu me dis que tu vas voir les films de B pour, pour du scénar, c'est pas possible. Enfin, surtout qu'en plus, de lui, dans sa tête, il est, il est très premier degré parce que il me semble moi j'ai pas vu le 5 donc ça devait être le 4 le, le 5 c'est avec les dinosaures non alors le 4 c'est avec les dinosaures ah, alors, okay. et le 5 c'est avec, ah, avec, avec, avec Merlin et avec, avec euh, la planète géante euh, voilà c'est ça pire, okay. Okay. Ouais. Mm -hmm. bah, donc du coup ça devait être le 4 et tu sais il fait dire à un personnage ouais euh, à Hollywood de toute façon euh, les gens ils ont plus d'idées oui. font euh, que des remakes oui. et, des... et en fait pour Michael Bay c'est pas une blague méta c'est en mode lui il s'estime en dehors du truc <laughs> et il pense vraiment que genre pour lui Transformers 1 c'était son E.T. tu vois et au premier degré, <laughs> c'est-à-dire que c'est un gars qui trouve un objet de son grand-père et qui ensuite est pote avec un extraterrestre. D'accord. Et euh, tu ouais, c'est quand même très particulier. une Échelle de valeur, de la sensibilité un petit peu, ouais, un petit ouais, peu ouais, différente. Ouais. Mais donc du coup, j'en avais, voilà, je l'ai regardé après, je l'ai regardé comme, parce que ça reste des blockbusters, donc j'allais les voir, mais sans sans trop m'attacher euh, aux leurs. Et puis, euh, le, j'ai eu un autre contact, par contre, qui était super cool. C'était un jeu vidéo qui c'est de Platinum Games, qui s'appelle ah, Transformers oui. dévastation ouais. euh, que j'avais beaucoup aimé, alors plus pour le gameplay, notamment parce que Platinum Games fait des jeux de beat the Map et beat the all ultra énervés, euh, mais sans non plus toujours vouloir rechercher ce qu'il y avait derrière cela. Pour moi, c'est toujours ouais ce côté, bah c'est juste des robots qui se transforment ouais, bien en, en, mmh. en véhicules. Et au final, euh, alors j'avais jeté des, des yeux un petit peu à certains de comics ADW. Il y avait notamment, enfin, mais assez récemment au final, notamment une mini-série. Je crois que c'est, je sais pas si c'est pas Last Night on Earth, mais c'est vraiment genre le dernier Transformer sur Terre, un truc un oui, peu. Oui, euh, Last Bot Standing. Oui, Last Bot ouais. Standing. Ouais, je sais pas si, si vous vous avez oui, vu, mais que j'avais trouvé le concept un peu, un, peu, un peu sympathique. Et puis au final, bah, c'est vraiment la nouvelle série de Daniel Warren Johnson. Moi, je fais partie de ces gens qui, clairement, euh, ont euh, vraiment euh, redécouvert, en fait, euh, ce que c'est, euh, ces personnages, euh, avec la série de Daniel Warren Johnson euh, depuis l'an dernier, euh, chez, euh, chez SkyBand. Donc, ça devait être double bonne surprise. Parce que si, enfin, euh, en gros, si tes rapports, c'est à peu près comme moi, moi, j'ai quoi de plus? Juste le dessin animé, en fait, en connaissance éloignée. C'est qu'en fait, au départ, tu dis, ça peut pas être, euh... Ça peut pas être bien parce que tu pars du principe que ça va être des camions qui vont se transformer en robots géants et en fait quand tu découvres même de loin parce qu'en haut du mois je, je, je me suis tapé des résumés quoi et tu fais ah oui non ils ont vraiment réussi à créer un univers méga cohérent non, fois mais super ça. triste ouais. et ouais. tout enfin super sombre en tout cas et tu dis ah oui OK ils ont ils ont vraiment fait l'effort de leur créer tout un truc et tout. Non donc, non, ouais. c'est ça et que tu vois les dynamiques de pouvoir entre ça. eux, c'est pas juste euh, les les, 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 euh, les Decepticons sont tous euh, très méchants, il y a des luttes maniché, de pouvoir interne, fait, et ça, voilà, c'est donc euh, c'est ça et euh, bah super, super cool et, et pour le coup euh, et donc je pense que le, le Transformers One, je m'y suis euh, Enfin je me suis attelé médiatiquement dessus en mmh. fait euh, je crois quand en fait le premier trailer est sorti euh, ouais, ouais. parce que j'avais même pas trop suivi en fait euh, qui avait vu le, le développement alors que j'essayais de suivre un peu ces projets avec euh, notamment bah histoire ce qui était euh, vraiment pas terrible euh, l'année dernière et euh, et et en fait, euh, j'avais loupé les avant-premières de, de cet été ou que, que vous avez pu faire, et je, je voyais que des bons retours, que des bons ouais, retours, ouais. et euh, bah je me suis, ça m'a ça vraiment chauffé en fait. Mais j'avais peur aussi au premier trailer de la direction artistique du ce que j'avais présente de quelque chose qui était très plastique, enfin, avec des... Je sais oui, pas. Oui, oui. Alors qu'en fait, quand tu vois le film en salle, en fait, c'est beaucoup plus riche et je trouve qu'il y a beaucoup vrai. plus de textures différentes. Enfin, c'est un, un ressenti tout à fait différent. Mais euh, je prends de l'avant, parce que justement, euh, après cette cette, cette introduction, l'idée, c'est qu'on se fait un, un tour de table euh, dans une partie un peu où on dit juste ce qu'on a apprécié du film, ce qu'on a moins apprécié, sans mm -hmm. spoiler. Et après, en fait, on fait une grosse discussion où on spoil à peu près tout. Et en fait, on dit vraiment qu'est-ce qui nous a plu euh, Ça ou pas. Okay. Euh, Ada, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de commencer ce tour de table oh. Oui, je peux essayer. Allez. <laughs> euh, Donc ton ressenti. Bah écoute, euh, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure et tout, c'était vraiment le film qu'on attendait tous, les fans. Euh, voilà, on voulait un film sur Cybertron. On a eu, on l'a eu, on a été servi et euh, Josh Cooley, ainsi que les équipes de ILM, hein, c'est ça. Oui, hein, c'est ouais, ça. Oui. Euh, ont très bien taffé, euh, vraiment. Un truc que j'ai adoré, bah oui, bon du coup il y a la direction artistique parce que vraiment je trouve ça super joli. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment coloré. Euh, les robots aussi sont euh, bah, euh, plausibles en quelque sorte. En gros, c'est pas juste des briques qui bougent. Hein. Ils ont vraiment des articulations particulières qui font que bah ils ont une très bonne posabilité et donc euh, on n'a pas à se limiter euh, dans euh, les scènes d'action. Euh, D'ailleurs, les scènes d'action sont très bien chorégraphiées, vraiment très très bien chorégraphiées. Pense aussi euh, notamment ben, en fait, au scénario, qui est très cool. Alors il faut savoir que c'est un scénario, euh, bon euh, sans spoiler, euh, qui est en fait un peu inspiré des, euh, des comics euh, et euh, de quelques autres euh, séries. Est-ce vraiment... que tu saurais me dire juste quel comics Le Capital euh... de Karl Marx <laughs> Non. non, non non, presque ça, c'est presque ça. Non, les comics c'est en plus je l'avais je l'avais même pas mais en plus oh, voilà. Non non, non c'est les comics Savage W1 euh, que j'ai en tête. Euh, Antoine, je sais pas s'il y a d'autres. Il y a ouais bah c'est principalement du coup Megatron's Origins qui est du coup le Ouais, euh, les va... origines dans les mines va etc. et pas... cetera. Ouais non mais la tu spoilé. Non non mais oh, ah, ça, va. ça ça va ça, ça va. pas très va. grave. <laughs> Mais oui, oui, non, c'est les principales inspirations, effectivement. Ça, le ça plus le lore derrière Transformers Prime, un petit peu aussi. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, c'est un très bon mix et euh, ça ressort très bien. Et franchement, c'est une très bonne porte d'entrée pour, euh, bah, peu importe, quoi. Si jamais tu t'y connais pas trop, euh, si t'as envie de t'intéresser un minimum à cet euh, à cet univers ou juste bah, t'amuser. C'est un très bon film. C'est vrai que, bon, bah, j'avoue moi de mon côté, euh, j'avais euh, quelques trucs où j'étais un peu en mode, oui, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu écrire euh, tel truc, mais en fait, euh, euh, le souci c'est que si jamais, euh, comment dire, ah, Antoine, je, je pense que tu sais à peu près ce que je veux dire. Euh... J'ai un moment de ben côté mon... nerd qui ressort un peu. Ouais, c'est mon côté nerd qui ressort. Le problème, c'est que je vais perdre les gens. <laughs> oui c'est ça oui c'est. Non mais si jamais est... Je... on est fan donc le problème c'est que. Ça, enfin, en Après gros... je, je vous rassure je pense que ce serait pas la première fois que des gens se, sont per... se perdent un petit peu en nous écoutant parler parce que on. Voilà. Ouais 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 non mais par exemple enfin un truc tout bête mais euh, c'est vrai que bon euh, sans trop spoiler euh, je pense que Optimus n'aurait pas euh, dû avoir son origine qu'il a eu. Dans le film. D'accord, voilà. bon, on y reviendra. C'est ça, on en reviendra, note, après, on en reviendra dans la voilà. partie plus en détail. Ok. C'est ça, ça c'est ah. compliqué. <laughs> Très bien, euh, Magnus, je me tourne vers toi. Enfin, yes. Du coup, je me tourne pas parce que on est déjà, je suis déjà <laughs> en face, mais euh, as compris ce que je voulais dire. À Donc, non, exactly. Arrête de jouer sur les mots, s'il te plaît. <laughs> Qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh, Bah moi, pour le coup, c'était, euh, je vais redire presque ce que j'ai dit des, déjà à la sortie de la salle, euh, mon premier visionnage. Pour moi, en fait, c'est déjà le meilleur film Transformers. Euh, tout confondu, euh, depuis euh, le, le premier de Michael Bay, celui de 86, peu importe, c'est le meilleur, je pense, sur beaucoup de points, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan du scénario. Et c'est assez fou de se dire que. On a un film transformer dont le scénario est intéressant et c'est quand même fou. Euh, et effectivement, moi, ma principale crainte au départ, c'était vraiment l'aspect adaptation. Non pas que je voulais qu'on ait euh, un côté, euh, je voulais revoir les cases des BD, etc., ou de la série, parce que c'est pas l'objectif. Ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose qui reste fidèle à l'esprit de la licence, parce que. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le cinéma, c'est une porte d'entrée. C'est censé présenter ce que la licence, ce qu'une licence est capable de, de faire, etc. Ce que ça a à offrir. Et je me disais, si l'origine des Transformers, si l'origine story de de la guerre d'Optimus Prime de Megatron est foirée, euh, je me disais, ça va vraiment donner une mauvaise image un petit peu euh, à beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais en fait, c'est pas c'est pas terrible. Et en fait. Ce qui est extrêmement bien, c'est que justement, en puisant un petit peu partout dans la licence, mais effectivement, principalement dans les comics et un petit peu dans Transformers Prime, aussi un petit peu dans la G1, pour le côté nostalgique, bien sûr, euh, bah, ils ont réussi à faire quelque chose de très compact, déjà en termes d'origine, parce que je me disais, comment est-ce que ça va tenir en 1h30, tout ça Ce qu'avait mis des mmh. dizaines de comics à la base à se, à se faire. Euh, donc ça, ils l'ont très bien fait. Et surtout, ils ont apporté aussi des nouveaux éléments, euh, des mélanges, des nouvelles choses. C'est pas... Purement l'adaptation d'une seule itération en fait de la licence, c'est vraiment quelque chose à part entière sur plein de points visuellement, sur le point du scénario. Donc c'est justement ça aussi que je salue, c'est que c'est une bonne adaptation qui comprend Transformer et qui le comprend bien, de sorte à modifier certaines choses et à aussi faire en sorte que ça fasse un beau film d'une heure trente en fait tout simplement donc euh, c'est pour ça que si je devais donner une note c'est ce que je m'étais dit à l'époque je leur dis aujourd'hui ce serait et demi sur 10 voilà globalement ce qui est une bonne note oui voilà. ouais, je, je suis à peu près comme toi en vrai alors par contre euh, le film fait 1h44 et pas 1h30 euh, ah là là. voilà <laughs> donc euh, tout ton argument vient de tomber à l'eau et oui c'est terrible c'est terrible, <laughs> terrible. terrible. Euh, on ne le voit plus Antoine a disparu C'était voilà. il <laughs> y a 10 minutes de crédit ça va c'est bon <laughs> Yérim je me tourne vers toi euh, ouais. qu'as-tu pensé donc toi de ce film puisqu'on est dans le clan un peu des néophytes euh, euh, ouais complètement j'avais bah du coup oui euh, euh, donc j'avais suivi bah les premiers teasers et tout alors moi j'avais l'impression que ça allait être un truc très euh, très humour second degré euh, Voir au début je me suis dit si ça se trouve en fait ils ont enfin compris que au cinéma ils n'y arrivent pas et que ils sont pas pris au sérieux et donc ils vont faire un peu un peu les idiots en disant un peu de Lego Movie quoi euh dans le ouais, les parodique movie, que, le problème c'est que je vois la comparaison mais le problème c'est que Lego Movie t'as vraiment le côté on va assumer que en fait t'es dans le monde réel et ce sont des joueurs que okay. je les voyais pas non plus aller jusque là mais euh, mais en gros les premières vannes que tu vois où je crois que le tout premier tir c'était juste un plan fixe où t'avais euh, Optimus et Megatron et en fait qui s'échangent oui c'est ça euh, euh, oui, oui. deux trois vannes un peu méchantes genre ah, je te déteste et tout <laughs> machin. et donc je m'étais ouais. dit ah, ok peut-être ils sont partis sur une pure comédie euh, euh, comme tu peux en avoir en animation pour plein d'autres, plein d'autres histoires. Et après, donc au fur et à mesure des, des extraits qui sortent, tu te rends compte que non, qui vont quand même avoir ce côté origin story qui doit être à un moment prise au sérieux, même si tu peux avoir des personnages au milieu qui euh, qui sont des euh, des ressorts comiques, etc. Enfin, notamment un. Et euh, et après, le léger problème, c'est qu'on me l'a vraiment survendu. Ah. parce que je pense que mes potes qui étaient qui étaient à fond dedans, étaient tellement euh, euh, je sais pas moi enfin c'est comme si t'avais un gars qui est fan de Spawn, tu vois et t'as un nouveau film qui sort il sera tellement content que le film sort que le film que ça sort, va et, un peu, et que c'est euh, pas l'abominable merde d'avant que oui, tout devient tu vois tout devient euh, plus 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 positif et tout. Tu veux dire que c'est parce que voilà on avait eu Beast Wars l'année, de... enfin je sais pas euh... Rise, of Rise of the Beast, Rise of the, oh, the ouais. pas Rise of the Beast qui était quand même pas terrible. Ouais ouais. Et donc était... ça te permet de re, de, de surévaluer euh, après Ça plus le, voilà euh, ouais, le truc que moi je voyais de loin qui était euh, qui était bah, le lore en fait et qui n'avait jamais existé euh, pour le grand pub pour le très grand public en tout cas et euh, fin, je veux dire si il y a des flashbacks horribles dans tous les films Transformers mais je veux dire tout le monde s'en fout t'avais pas de bien même le film s'en foutait tu vois oui, 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 donc euh, donc euh, voilà donc moi c'est vrai qu'on l'avait pas mal survendu sur euh, notamment en me disant euh, sans 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 me spoiler ou quoi mais que limite le dernier le dernier acte tu lâches ta larme et tout machin donc en fait j'y suis allé peut-être avec légèrement trop d'attente à ce niveau-là donc j'ai trouvé que c'était un bon divertissement et tout trouve que oui niveau scénario c'est-à-dire c'est même pas que c'est mieux que les autres c'est que pour moi, il est dans une autre catégorie complètement oui, bien sur un les peu autres. Et totalement. Même euh, même en faisant une sorte de ma maxi best of de tout ce que les autres films auraient eu de positif, tu par tu peux même pas arriver à, à quoi que ce soit d'approchant pour ça. Et puis tu avais aussi ce côté euh, qui peut-être sera toujours un frein pour pour le cinéma, c'est que bah c'est un film sans sans humain. Et, euh, oui, et ça en oui, fait oui. en film live, pas que pour les Transformers hein, pour plein d'autres trucs, c'est toujours un moment où tu as la prod qui intervient pour dire Ouais, mais non parce qu'on n'est pas sûr. Il faut que les spectateurs puissent identifier ce qui ne peut pas exister dans l'animation. Tu peux avoir des animaux, des robots, tu peux avoir tout ce que tu veux, et on s'en fout qu'il n'y pas, qu'il pas d'être humain, quoi. Et donc euh, ça, c'est plutôt cool. Après, j'étais plutôt satisfait du casting voix principal. Je trouve qu'ils ont vraiment. Euh, c'est oui, là où je m'arrête juste pour dire ouais. que vous l'avez tous vu en vo. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Et ouais. alors, moi, j'ai vu qu'en VF, donc euh, voilà. Okay. J'ai pas, j'ai pas la même lecture sur casting okay. v, ouais, mais voilà. Bah, disons que moi, j'ai, enfin, sur le papier, quand on dit voilà, bon, ben, bah, Chris Hemsworth va faire, va faire Optimus et Brian Thierry va faire on se dit ah, ok, enfin, c'est euh, un peu inattendu et tout. Après, je trouve qu'il y a un truc, notamment une des dernières répliques de Optimus où tu dis parce que l'acteur, j'ai plus le nom de l'acteur voix qui le Peter fait Cullen a quand même une espèce de coffre et de timbre qui est ultra marquant et tout et c'est vrai que quand Optimus passe un step on va dire à la fin de ce film tu dis ah j'entends peut-être un poil encore trop Chris Hemsworth alors que l'autre arrivé enfin je sais pas l'autre pour moi c'était euh, c'est comme quand tu remplaces la voix du euh, du Daron dans le roi lion tu vois en fait tu passes derrière un mec qui est tellement ultra identifiable que c'est le seul truc où je me dit ah ouais là tu sens encore un peu Chris Hemsworth par contre euh, L'évolution de la voix de, de Megatron, je la trouve vraiment bien. Parce qu'au départ, Brian T. Henry, il est quand même un peu marrant, tu vois, dans son interprétation. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et pareil, lui, il a donc une certaine évolution. Et je trouve que lui, pour le coup, il réussit à choper le truc plus tôt, vers la fin. Et, euh, et puis après, bon, tous les autres, c'est vrai que si j'étais content d'avoir bouché Buscemi, je ne sais plus le nom de son robot. Enfin de, Starscream. De, ouais, Starscream. Parce qu'au départ, je ne l'avais pas retenu dans, dans les crédits et euh, je me dis attends c'est Steve Gmy et je trouve que ça marche vraiment bien avec euh, avec ce qu'on lui a donné euh, bon après t'as euh, celui qui est plus euh, bah, celui qui fait Bumblebee qui est donc euh, c'est Philippe, Philippe Lachaud dans la VF du coup mais voilà du coup euh, <rire> <effectivement>. <rire> mon référentiel est moins bien mais euh, mais du coup ouais, c'est euh, c'est Michael Key je crois Key ouais gagne, Michael Key qui gagne qui Michael, gagne Key, Michael ouais. Key ouais donc lui qui est clairement un acteur comique etc qui fonctionne pour Mumblebee, enfin, en tout cas, pour le, la, on va dire, la fonction qu'il a, qui est effectivement le sidekick un peu marrant. Euh, c'est vrai que le casting VO est ouf parce que, euh, bah Ils sont, as, oui, ils as sont as Chris, plaisir, Brian, hein. donc t'as Booskalim et t'as Scarlett Johansson ouais. qui fait Elita, t'as ouais. Lawrence Fishburne, euh, oui. et John Hamm qui sont aussi présents, donc ouais. c'est vrai que, le, ouais. John, sont... John Hamm, je trouverais pas Ouh. mal de, justement, de lui faire ce truc de, d'être un peu un chef, on va dire hypocrite, pour, sans trop, rentrer dans les détails, je trouve pareil lui ça, ça correspond bien à ce qu'il peut donner dans son interprétation. Donc ouais, niveau casting ouais, moi j'étais vraiment très satisfait. Euh, et après alors pour vraiment la forme, c'est-à-dire entre l'anime en tant que tel et euh, bah le choix quoi, la, la DA qui a été euh, qui a été, euh, qui, a été euh, qui a été choisie. Euh, en fait, alors au tout début, j'étais pas ultra convaincu. C'est vraiment quand ça s'emballe un peu plus. Dire qu'au départ, je l'ai trouvé quand même assez euh, figé entre guillemets. Et euh, enfin, tu, tu sens une vraie, euh, une vraie différence entre les scènes de conversation et les scènes où ça doit vraiment bouger plus. Mmh. Ça, ça c'était peut-être, c'était peut-être mon bémol. Après, vu que j'avais pas euh, de références visuelles, euh, comics ou autres, en fait, j'avais pas. moi, j'étais prêt à. A accepté accepter beaucoup de choses en termes de choix physiques, esthétiques qui ont été faits donc autant j'ai aussi vu des gens qui étaient vraiment hermétiques à ce truc là qui disaient non c'est moche et tout moi le truc c'est que j'avais pas, pas spécialement de comparatif donc le seul truc que je peux dire qui est peut-être un des un des seuls points où, où tu peux alors non pas regretter parce que encore une fois le film a trop de points positifs par rapport aux autres adaptations notamment ciné pour, pour regretter quoi quoi que ce soit mais disons que le seul gros point positif de des Transformers 2B en fait c'était quand la mise en scène devient vraiment un truc de cinglé euh, psychopathe ou ou limite tu, tu dois te reposer après avoir vu une séquence parce que tu fais waouh c'est ce que t'as à c'était vraiment c'est parti dans tous les sens là on va dire t'as pas ce grain de folie total même quand T'as on va dire des, des factions qui s'affrontent vraiment de manière assez dure. Par contre, ils, ils réussissent à faire un truc. Donc moi, j'étais peut-être en dessous parce que comme j'ai dit, on me l'a survendu. Mais ils, ils réussissent à faire une fin où t'as vraiment un truc euh, très euh, marquant qui se passe et très prenant. Et t'as euh, la construction d'un personnage de méchant qui est un vrai méchant de cinéma, qui est pas juste une espèce de de prétexte parce qu'en fait c'est terrible mais pourtant il avait une excellente voix vu que c'était euh, Hugo Weaving qui faisait euh, tous les méga de, oui, de, de Michael ouais. Bay mais le il est jamais en fait il joue très bien mais il est jamais impressionnant en tant que méchant que tu n'as pas peur de lui t'es pas euh, il a il a pas ou peu de scènes marquantes et tout là l'autre il lui construisent vraiment un truc où tu dis ils partent d'un truc très comédie, euh, humour second degré, et ils arrivent euh, sur un truc qui tragique, un Vador, mmh. premier degré euh, absolu, qui, qui arrive à ne pas être ridicule. Ce qui en fait, vu leur historique de cinéma, était, je pense, pas gagné du tout euh, pour, euh, pour ne <laughs> même pas que pour les spectateurs qui connaîtraient pas, mais je pense même pour eux. Tu sais, quand tu fais valider ton projet, tu dis non, mais en fait, nous, la fin, ce sera réellement un enjeu très grave et très. Euh, très, enfin qu'on veut en tout cas être prenant émotionnellement et puis alors après le truc que j'avais pas vu venir mais qui est peut-être du coup dans dans le lore euh, classique ou peut-être certaines réécritures c'est qu'il est quand même pas mal politique le film sur enfin, t'as un truc où c'est oh, oui. pas symbolique c'est vraiment un truc euh... la non, licence ah, bah, depuis ouais. euh, enfin c'est surtout depuis les comics Addie de 1 est très très politique ouais. mais vraiment Okay, again. parce que ouais le, le truc pour ça Karl Marx en rigolant tout à l'heure oui, en fait oui. t'as un délire de lutte des classes qui qui tombe à un moment et tu te dis oh, bah, le film peut peut-être le mettre de côté à un moment comme d'autres films où tu peux avoir des, des thématiques prétextes là non non ça devient le truc principal t'as un truc de vous vous êtes bah, littéralement des mecs enfin des mecs des transformeurs exploités dans l'équivalent d'une mine enfin t'as vraiment mm. des trucs comme ça bah, c'est la working, et la ça, la working que... class quoi oui c'est ça et t'as vraiment euh, un double truc euh, bah, très euh, Très X-Men, quoi, avec euh, les deux voix, c'est-à-dire euh, l'un qui devient méchant pour les mêmes raisons que l'autre devient gentil, quoi. cest à c'est mmh. plus que lui, euh, ses actions et sa personnalité et ce qu'il a vécu de manière perso dans son passé font de lui un mec beaucoup plus revanchard et haineux que que son ex-meilleur ami. Mais euh, ouais, c'est les mecs qui les ont mis en Xavier et Magneto, ou après, tu peux en citer plein d'autres. Oui, c'est euh, quoi euh... Euh, Malcolm X, Martin Luther King ça tu le dire. Mais tu vois en gros faire ça avec des robots géants qui parlent et qui se transforment en camions, c'est pas le truc le plus simple à rendre crédible quoi. Donc ouais ouais, c'était du j'étais beaucoup moins dans l'euphorie générale que ceux qui ont vraiment vraiment kiffé mais je me suis dit ouais ils ont, ouais, on ils connu, ont fait un super euh, oui. effort quoi. on t'a connu vachement plus aller euh, ouais. sur d'autres sur d'autres trucs hein, cla clairement mais justement enfin, quand tu dis les comics d'ADW1 enfin c'est euh, c'est quel quelle thématique politique qui sont abordées dans, dans ces comics là euh, c'est ouais. vraiment ce genre de, de côté euh, ouais 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 t'as euh, 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 vraiment ce délire de prédestination justement euh, t'as euh, le régime fonctionniste dans ADW1 euh, en gros euh, le Transformers, il est fabriqué ou il est forgé. Euh, tu te transformes en foreuse, tu vas aller dans la mine. <laughs> tu te transformes ah oui, oui, okay, okay. en diète, bon, bah, tu vas potentiellement effectivement être chercheur ou euh, tu vas être dans l'armée, ce genre de choses. Et vraiment, tu as une grosse grosse prédestination sociale qui Mais... est vraiment... Voilà, et, euh... Mais qu'est-ce qui, dé qu qui détermine en quoi tu vas te transformer C'est juste euh, au hasard oh, en... C'est juste le ticog, en gros c'est comment tu es fabriqué, et puis tu as, as un cog aussi. Ça, ça vient aussi à des... Euh... Oui, le fameux ouais, euh, truc ouais, qu'ils ont, ouais, ouais, qu ont, qu ont mis. Ce qu'ils ont mis, ça vient aussi euh, justement des... Euh, je crois que c'était avant, mais bon... Bah, ça a été créé dans la G1, le concept, mais G1. ça a été réutilisé par la suite. Exactement, ouais. ça a été vraiment beaucoup réutilisé par la suite, mais c'est vrai que c'est très important dans justement à w 1 Et tu as notamment, par exemple, dans la 1 euh, pour pouvoir euh, contester le régime fonctionniste, tu as littéralement des transformers qui se l'enlevaient. Mmh. Mais qui peuvent plus se transformer du coup. Ouais, exactement. Et on, Mais ils sont on... paniqués alors à ce moment-là. Non, c'est juste euh, ils s'appellent les Monoformers et puis ils font leur en... vie. Hein, c'est tout. Ils se transforment. Ah, pas. Ouais, du coup, Monoformers. Okay, ouais. Très bien. C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait aussi dans ces fameux comics-là le principe justement donc de Spark qui sont en fait les âmes des Transformers. C'est un ouais, petit peu sûr. qui émergent euh, qui émerge de Cybertron. Et en fait, il y avait deux types de Transformers dans la société. Ceux qui étaient nés, c'est-à-dire qui avaient vraiment été forgés. Euh, dans le, le cœur de la planète quelque part et qui avait émergé qui était né naturellement et en fait il y en a d'autres qui ont été construits par la suite et dans lesquels on a mis un spark c'est-à-dire un spark qui était peut-être destiné à devenir autre chose dans un corps qui euh, euh, était euh, d'ailleurs dans ces comics là souvent en fait justement ceux qui sont construits c'est un spark qui a été créé euh, par la matrice c'est ça voilà. et euh, du coup ça donne des des fois des personnages qui en fait sont dans des corps euh, qui ne leur ressemble pas en fait quelque part et il y a beaucoup aussi de thématiques par rapport à ça oui. évidemment par a la beaucoup suite beaucoup de délire acceptation de soi ouais, d'identité euh, alors d'identité de... et euh, ouais. tu as littéralement aussi des délires d'identité de genre par mm -hmm. exemple Donc... très bien très bien bon bah vachement plus profond que ce qu'on peut se faire euh, à l'idée mais après euh, comme euh, comme souvent avec les comics en général parce que c'est des gens qui écrivent euh, <laughs> forcément des gens qui réfléchissent aussi euh... ah, Si, juste un dernier truc c'est que pour le film ce qui faisait que je me suis mis non pas forcément à l'attendre spécialement mais aussi ça peut pas être euh, 100% mauvais c'est ben, le, quand le Real est annoncé oui Josh ouais c'est euh, le mec qui a fait Toy Story 4 entre autres donc, Après il, il a bossé sur ah, parce que hum. Toy Story 4 c'est pas bien en tant que tel si c'est pas le meilleur de la saga mais je voilà. veux dire visuellement tu peux pas lui dire que c'est un mec qui ne sait pas faire d'animation tu vois. Oui mais non parce qu'il a bossé sur sur Après, vice -versa, toi, tu par sur lao il, il a scénar, fait tu vois, voilà. Non non mais il a fait plein d'autres Pixar euh, en, oui, en, en c'est peut-être son son dernier ou son plus connu, je sais plus. Après mais, il, euh... fait, il fait aussi du doublage, il fait pas mal de choses quoi, ouais, effectivement. Il a fait Cars, non, il a fait là haut quand même est, euh, sur euh, en tant que storyboarder. Ouais. ouais donc, parce que Cars, euh, par contre, non. Non, parce que. <laughs> j'ai je, je pas pas, je, 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 énormément de lacunes sur les Pixar, donc euh, je. je toi, toi pas tu pourrais dire c'est pas les meilleurs Cars. Être très gentil. Très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, bah, j'étais, euh, moi, j'étais euh, ravi en fait, hein, tout simplement parce que après, moi, je, pareil, je hein, me, j'ai été très, très. Euh, on m'a beaucoup vendu euh, le film parce que j'ai deux trois potes que j'essayais de faire venir dans ce podcast, mais qui n'était pas disponible, hélas, euh, mais qui, qui aime beaucoup l'animation de façon générale, et qui, en, en l'ayant vu, même je crois qu'ils ont pu le découvrir à Annecy, en fait. Oui, c'était ouais, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous l'aviez vu à Annecy déjà c'était pas Annecy, mais on avait entendu parler justement de la projection ouais. qui avait été une standing ovation, et je me disais... Et c'est là où tu as le premier déclic, où, euh, parce que, voilà, avec tous les préjugés qu'on peut avoir quand on ne connaît pas, en fait, euh, d'un coup, tu dis, ah, ok, bon bah j'ai envie de voir pour le coup parce que si ces gens que j'estime et dont je sais qu'ils sont quand même a priori des bons goûts en fait disent que c'était super euh, tu te dis bah euh, j'ai hâte quoi surtout que l'animation et ça c'est vraiment un truc qu'on répète beaucoup dans, dans ce podcast là c'est qu'à à notre sens c'est en fait c'est l'animation qui nous donne les meilleures adaptations de comics depuis de très nombreuses années et chaque année en fait quand, quand on fera le bilan en fin d'année ben on se dira à chaque fois en fait, ce qu'on a kiffé au final le, les meilleurs trucs c'était dans l'animation en fait euh, on n'est pas gâté forcément avec avec le live euh, donc donc j'y allais euh, très très, enthous très enthousiaste et avec la, le seul bémol c'est que moi ma projection elle était en, en vf mais j'avais vraiment euh, pas l'occasion de le voir avant la sortie officielle en vo donc je, je m'y suis fait parce que j'estime je, qu'on a quand même en général des gens qui savent s'y faire et au final oui, oui. Les délires de Audrey Fleuro et Philippe ne sont, sont pas pour les rôles principaux en fait les deux principaux rôles sont occupés par des euh, entre guillemets vrais comédiens de doublage dans le sens okay, que c'est pas c'était pas du star talent quoi. Et en l'occurrence, j'ai pas trouvé que Lachaud était plus agaçant que ça en Bumblebee et, et euh, Audrey Fleuro et Lisa ça ça passait très bien aussi. Euh, mais donc ouais non, j'étais ravi à la fois parce que euh, bah tu as une vraie histoire effectivement une vraie progression avec des personnages auxquels tu t'intéresses en fait. Euh, qui te permettent en fait de comprendre la dimension tragique qu'il y a à Megatron. Je trouve qu'effectivement, la dimension politique du du discours, elle est trop bien en, en tant que tel de dire. Euh Ok, je savais pas que ouais. euh, que Megatron, euh, c'est un anarchiste de gauche en fait parce que <laughs> tu vois. Euh, Totalement. Euh, à la base, en tout cas, avant de devenir, de devenir peut-être full euh, full totalitaire, tu vois, mais enfin de voir vraiment ses oppositions et surtout la façon dont c'est fait avec sérieux malgré tout, avec ouais, euh, ouais. et comme tu le disais hierim aussi avec ce début un petit peu un petit peu léger. Alors tu sens venir quand même ça une grosse fissure scénaristique, très rapidement, notamment sur euh, le fait effectivement que Sentinel Prime est peut-être pas aussi euh, aussi bon qu'il oui, qu en a l'air, tu vois mais quand même euh, et donc tu vois euh, un peu la direction très rapidement de dire ok bon ça, ça va être ça le twist et clairement il y a une question sur laquelle les deux vont s'entredichirer mais ils le font bien en fait. Ils le font avec vraiment une je trouve une forme de sincérité de dans l'écriture et dans et dans l'interprétation qui fait que vraiment bah t'y crois et t'es vraiment toi-même déchiré en fait par ces ces deux personnages dont bon effectivement en fait tout pourrait les rassembler au final mais mais qui vont voilà se se briser sur sur une sur une méthode sur une façon d'agir et ouais visuellement c'est top euh, pour le coup il euh, y a une scène de train enfin que je trouve absolument délirante euh, ah, en fait, oui, oui, oui. De, oui. sur des rats qui qui se construisent en même temps avec un décor qui qui bouge dans tous les sens je trouve que vraiment il y a il y a vraiment un côté exubérant et très généreux même même aussi dans la mise en scène tu dis tu parlais de chorégraphie avant Ada effectivement qui sont qui sont très bien faites et, et ça va crescendo en fait c'est-à-dire que le film démarre déjà bien mais plus tu avances dedans et plus je trouve que vraiment en termes de, de cadrage et de, et de plans euh, jusqu'à un ralenti final en fait on va dire dans une des dernières scènes une scène oui, de... avec oui, un ralenti là qui est vraiment absolument euh, superbe quoi donc euh, c'est pour ça j'ai très très entou... enfin très content en sortant et justement et ça ça me donne en... plus envie de m'intéresser quand même à cette licence en tout cas du moins arrêter d'avoir des préjugés en me disant bon en fait wow. si on a vu des trucs nuls auparavant c'était parce que les les gens qui étaient derrière euh, était était ah, es un vrai. peu nul et pas parce que le produit de base est forcément est forcément mauvais t'avais eu le même où t'avais Optimus Prime assis sur le trottoir en mode dépressif et à côté de lui t'avais une Tortue Ninja et genre les deux se disaient "à ah, toi aussi". Ah ouais, là, ouais ouais <laughs> bah, ouais mais, mais en plus c'est ça c'est c'est l'exemple parfait parce qu'effectivement ah, Tortue ouais, Ninja que sur après Michael re... Bay dans les ah, après Tortue Ninja ont eu les films des années 80 là qui genre enfin je sais pas je qui ah, sont qui bah, sont ouais, moi après, je, crois, je pense qu'ils sont pas nostalgie ouais c'est ça je suis pas sûr que pas, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que si tu dans dans la même décennie, en plus, tu avais les oh premiers oui, Transformers, ouais, tu eu les Tortues Ninja de Michael Bay. Effectivement, tu te dis ah c'est ça les Tortues Ninja. Euh, ouais. Ça te... toi aussi, moi j'avais en en sortant euh, en sortant de du film, j'avais quand même un fantasme de tordus Je me suis dit si tu forçais attention, Michael ouais. Bay, non non, en gros <laughs> si, que... si tu si tu forces, je trouve ça plus déviant qu'un truc sexuel. Okay. Si tu forçais <laughs> Michael Bay à faire ça en film live, mais genre il a pas le droit de retoucher le scénario. Est-ce que ça donnerait un bon film live Transformers Enfin, tu vois, en gros, il aurait sa mise en scène et tout, tu lui laisses ouais, la ouais, carte ouais. blanche, mais as, ce, as ces mêmes dialogues, ce même truc, voir les mêmes storyboards. Tu vois ce que je veux dire Bah, je pense qu'il accepterait pas en fait tout. Oui, et après, bah, c'est ce le problème, c'est que quand on voit l'influence quand même qu'il a sur ses productions. Euh, je pense Parce que bah, la direction d'acteur, c'est lui aussi, hein, donc. C'est euh... ça, exactement. Ne serait-ce que, enfin, une des pires blagues de la saga, les, les boules de démolition de Devastator, ouais. euh, c'est, c'est... Son... le même qui pisse sur John Turturro ou c'est encore Non, c'est Bumblebee qu qui bien. pisse sur ouais, John Turturro. Euh, non, les boules de Devastator dans Revenge of the Fallen, ouais. c'est son idée à lui. Il y a une <laughs> vidéo de behind the scenes, donc de, de euh, production, ouais. où on le voit, en fait, avec les mecs de chez ALM et qui dit, faut me rajouter les boulettes d'émolition pour lui faire des couilles. Ah, Donc vraiment, c'est vraiment ah, ça. Oui, d accord, d accord. Donc il y a vraiment des mecs qui du coup en plus sont dû faire des, du travail supplémentaire pour putain, rajouter ça, oui. parce que du coup c'était pas sur le concept art, c'était pas de ça. C'est vraiment lui qui a voulu rajouter. Et en fait, ce genre de choses, c'est vraiment lui qui les rajoute à chaque fois. Disons qu'il était connu et un peu redouté chez les enfin chez les gens d'ILM en mode euh, euh, il débarquait et il est en mode ouais euh, venir, tu me rajoutes une marque rouge là, hein euh, voilà et vous me trouvez une un, un délire scénaristique. Et oui, ça, ça c'est exceptionnel aussi. Dans Transformers oh, 5, euh, il y avait une histoire à un moment de Megatron et Optimus qui reçoivent une marque rouge qui les contrôle. Enfin, connerie déjà de <laughs> scénario. Et en fait, il est arrivé, il a envoyé la, la photo au mec de chez ALM, qu'il avait retravaillé un petit peu lui-même, une photo du coup de la tête d'Optimus et de Megatron avec une marque rouge. Et il dit, je trouve ça stylé, euh, vous me faites ça, et de, vous devez aussi me trouver une explication sur euh, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent ça Qu'est-ce que c'est et du coup, il y avait un des artistes de chez A.L.M. justement qui avait qui était passé une convention Transformer quelques années plus tard et qui avait dit bah vu que lui il était passionné Transformer, il avait trouvé une explication, il avait trouvé un truc un peu alambiqué dans le lore etc. Et au final bah il y a rien eu de tout ça, ils ont juste laissé ça en tant que euh, artifice euh, visuel sans raison qui est là et qui s'en va et voilà. Donc ça, c'est la méthode de travail de Michael Bay <laughs> chez ILM. Ouais, non, parce que ouais, faut préciser, même quand je disais direction de casting, c'était ça aussi le problème. Hein, c'est que, notamment, alors ça devait être le 4 quand ils vont euh, en Chine. Oui, oui, c'est le 4, ouais. ouais, ouais. Et t'avais euh, justement euh, l'actrice principale chinoise qui, du coup, en interview, te racontait comment euh, comment il la dirigeait. En fait, juste, il lui hurlait dessus en anglais, elle comprenait rien. Elle <laughs> oh, lui putain, disait, je comprends pas. <laughs> Et, euh, et il disait « Si, si, tu comprends, je le sais, je le vois dans tes non yeux. »« on repart sur la scène. En plus, elle te dit ça au mode… Ouais, euh, il est, il est un peu foufou et tout, machin. Ouais, de faire donc, des voilà cauchemars. Ça. Hein. <laughs> après, ouais, ça, non. ça fait rentrer l'ambiance au bureau de ALM. Euh, bon, les gars, il y a une mec ouais. qui arrive ce matin. Euh... Ouais, le fou arrive. <laughs> <Qui mais il rire> dit, ouais, <laughs> rajoutez une paire de coups, tu vois. Ouais, alors, ça, ouais. non, non, mais tu sais, en plus, euh, bon, qui sait qui s'en occupe aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ah, c'est toi, Bob? Ah oh, non, putain. <laughs> il faut encore me demander mais de quoi, rajouter. Donc, c'est pour ça, que je dis sans, sans lui laisser la main, ni sur, enfin, tu vois, ouais, pas une décision haute que mise en scène. Mais bref, non, après, je, le seul truc peut-être, c'est que je m'attendais à en sortir en ayant retenu plus de séquences vraiment, tu sais, vraiment imprimées dans la rétine. Là, en fait, il y en a deux trois et je pense qu'ils auraient pu vraiment monter le curseur. C'est possible. une dizaine mais sinon non après j'ai pas, pas spécialement Après ils ont pas eu beaucoup de budget hein. C'est des compliqué. fois ça se voit un peu je trouve en fait. 75 millions seulement. Ah oui, c'est pas pour pas un énorme. film d'animation qui se veut un énorme. blockbuster, c'est pas énorme en fait. D'accord. Ouais. Et des fois je trouve que ça se voit un peu même si je les ai trouvés du coup euh, ils ont le les défauts de leur qualité inversement. c'est que par contre ils sont assez inventifs. Pour pallier à ce manque de trucs, parce qu'en fait, dans une autre, dans un autre type de production, ouais, je pense qu'il y a certaines séquences qui seraient plus en partie spoiler, où tu dis, ouais, well, là, il y avait moyen de faire vraiment des, des, des trucs volets. plus, Et effectivement, plus le, le budget ne leur permettait sans doute pas. Mais justement, je voulais qu'on qu'on entame la partie spoiler. Euh, allez, euh, allez. Bah, qui veut, qui veut, qui veut, euh, sur quel Dites-moi juste sur quelle partie euh, vous voulez revenir, euh, ce qui concerne ah, plus euh, l'histoire. Moi, il y avait quand même une question vrai. que je voulais, parce que tu l'as dit deux fois dans ce podcast. Euh, tu disais vraiment que c'était le film que vous attendiez, que les fans attendaient, ouais. et que vous vouliez que ça se passe sur Cybertron. Pourquoi vraiment Qu'est-ce qu'il y a de, de si important Enfin, qu'est-ce qui était si important, si important euh, pour, pour 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 vous bah, euh, voilà. Pourquoi ouais. sur Cybertron, c'est ça Ouais, c'est ça. Pour euh... ouais, pourquoi c'était vraiment euh... bon, Antoine, je ne sais pas si tu veux en parler. en vrai. Bon, je... Bon, moi, je peux, je peux en parler du coup. Euh, c'est vrai que. Comme on a déjà dit dans les films, Cybertron, on voit très peu. Au final, on voit dans, dans des flashbacks. On a vu au début de Bumblebee aussi euh, des séquences où tout le monde disait ⁇ Ah mais ce serait bien qu'on ait un film entier sur Cybertron ⁇ Ce qui est compliqué, c'est qu'en live-action, euh, du point de vue du budget, ce serait très complexe parce qu'il faudrait vraiment, euh, je crois, dit bonaventura avait dit 400 millions à peu près pour faire un film entier <laughs> sur Cybertron. Ouais, voilà. Ce serait l'équivalent d'un avatar où il faut recréer tout un monde de zéro. bon c'est les dires de Lorenzo di Bonaventura, ça n'engage que lui. Le fait est effectivement que passer par l'animation, ça permet aussi d'avoir ce côté plus expressif et surtout aussi pour moins cher, objectivement, parce que là, 75 millions, c'est pas beaucoup. Euh, mais aussi, moi, je vais parler purement sur le plan scénaristique. Euh, en fait, les origines de la guerre des Transformers, c'est un truc qui a été fait en comics, qu'on a vu aussi dans des séries en flashback, etc. Mais en fait au cinéma c'est quelque chose qui avait jamais été abordé euh, dans le premier film on a juste vite fait un okay. résumé d'Optimus en mode ah on a été trahi par Megatron euh, et c'est tout voilà flashback il est méchant oui, c'est ça c'est juste euh, bah on se bat parce que euh, on se bat c'est des méchants c'est euh, des ouais. méchants ils nous ils veulent le cube <laughs> non, oui, non voilà d'accord. Du, ouais, euh, okay. euh, du coup là il y avait tout ce truc de dire on a tous ces comics qui ont été faits depuis, bah même depuis les premiers comics Marvel, où il y avait toujours un contexte un petit peu derrière qui s'est étoffé avec le temps. Et on se disait, il y a tous les ingrédients pour faire quelque chose de super intéressant et d'original, parce qu'on serait intégralement sur le monde des Transformers euh, qu'on utilise un petit peu depuis le début mais que Michael Bay refuse toujours de d'aborder, je veux dire typiquement dans Transformers 5, on va sur Cybertron à un moment, les humains se retrouvent sur Cybertron quand la planète se colle à la Terre et on a des environnements avec euh, des espèces de vieilles montagnes sans personnalité, euh, des des bottes d'herbe un peu partout sans raison. La seule raison, c'était à l'époque qu'il fallait que les acteurs aient de quoi euh, interagir sur le plateau de tournage. Donc, du coup, euh, Cybertron ressemblait pas à grand-chose. Et euh, là, pour le coup, on a une nouvelle direction artistique et euh, effectivement, couplé à ce scénario qui euh, reprend, comme on a dit dans les grandes lignes, certaines certaines storylines assez euh, assez importantes. Bah ouais c'est ce qu'on c'est ce qu'on attendait et, euh, ouais. ça a été globalement bien fait bien sûr qu'il y a quelques points euh, qu'on qu'on pourrait modifier et tout mais globalement voilà après tout ce qu'on a enduré euh, <laughs> a en tant enfin que fan eu notre film c'est ça en fait après tout ce qu'on a enduré tout ce qu'on a accepté de dire oui Michael oui tu peux mettre des couilles à Devastator si ça rapporte 800 millions allez si tu veux euh, mais mais là je veux dire allez pour une fois là c'est à notre tour de de se faire plaisir quoi donc euh, et puis voilà. surtout, enfin, euh, c'est montrer que, bon, bah, Transformers, c'est un peu plus que juste des gros robots qui se battent et puis c'est oui. tout. Non, c'est euh, bah, une vraie société, euh, enfin, c'est une planète, c'est un peu plus que. Ça, de rendre le tout un peu plus vivant, en fait, ouais. et pas juste des, des démos techniques euh, ça. Bah, pour ILM, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, toujours dans la, dans la partie spoiler, euh, qu qu a, quel premier point vous voudriez aborder euh, Moi, j'aimerais bien parler, justement, du scénario, notamment, oui. par exemple, de euh, Megatron. De ses Allez, origines... Je te laisse sur Megatron parce que c'est ton c'est ton bébou. Oui, <laughs> c'est mon chouchou d'amour. <laughs> euh, bon, blague à part. Euh, alors il faut savoir que dans les comics, souvent Megatron c'est un mineur aussi, donc ouais, il travaille à la mine, voilà. Et euh, Optimus est souvent un, mob un membre d'une strate au dessus. Donc euh, dans les comics, à DW par exemple, c'est un policier. Voilà. Ah. Et, euh, ah un policier un peu <laughs> symbolique euh, voilà exactement alors que bon bah Megatron lui travaille à la mine hein. euh, dans euh, c'est les... vrai que ça donne tout de suite une autre lecture aussi ouais, voilà euh, dans les continuités alignées donc euh, tout ce qui est Transformers Prime c'est un membre euh, enfin c'est un archiviste donc bon, voilà c'est quand même toujours un notable et euh, c'est vrai que ouais enfin un Megatron de base c'est vraiment lui qui sort un peu bah, de la galère euh, il en a marre et euh, il croit pas en fait aveuglément au leader euh, qu'il y avait justement bah, là, en l'occurrence, c'est en fait Sentinel. Et euh, dans ce film, effectivement, il croit aveuglément en Sentinelle. Alors que dans les comics de base, ou encore même bah, dans les euh, dans les séries, il oui, ne croit oui, oui, oui. pas à ça. En fait, Et justement, il a été déçu par l'éditeur. Il les déteste. Euh, il veut se battre contre eux. Il veut justement provoquer une révolution. Hein, c'est littéralement Robespierre. Hein, on ne va pas se mentir. Et euh, non, mais vraiment. Hein, c'est voilà. Hein, c'est euh et euh, du coup, c'est comme ça que naît un peu le mouvement des Scepticons. Et euh, c'est vrai que bah, ça, c'est un truc que le film n'exploite pas, mais je pense que c'est plus par simplicité parce que c'est compliqué quand même enfin euh, si on doit créer euh, bah, une storyline avec Megatron dans les mines une storyline avec Optimus qui est flic ou un membre du clergé euh, slash archiviste Ouais, comment expliquer qu'il soit pote euh, dans Exactement, cas, euh... enfin voilà, alors que dans les comics bon effectivement, euh, c'est juste que bon bah en fait Megatron il décrit un manifeste, Optimus va le protéger un peu parce que bon bah, à plusieurs reprises on va essayer de le tuer, enfin c'est mmh. c'est un peu plus profond. Le fameux manifeste du Parti transformiste. Ouais, euh, enfin parti transformiste. <laughs> Attention parfois il blague. Attention. Ils euh, attention. <laughs> mais par contre, non mais par contre premier degré, c'est vraiment il un avait délire. Le côté euh... Ouais ouais, c'est son petit livre euh, voilà. Vrai, voilà. Et <rire> <rire> non mais par contre premier degré, c'est vrai. Et euh... Donc effectivement, enfin ouais, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense que c'était plus par simplicité qu'ils ont fait ça. Oui, et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a un peu manqué parce que je me dis, bah les gens passent un peu à côté au final de euh, cette partie très importante de Megatron, qui est, bah moi, j'ai connu vraiment la galère. Les Decepticons sont tous connus la galère, et euh, bah, en fait les Autobots, c'était juste des gens qui étaient dans des strates supérieures et qui se faisaient kiffer tout simplement, juste ils étaient là, ils, ils étaient enfin oisifs et puis c'est tout. Et euh, c'est vrai quoi, c'est vraiment un truc. Qui a pas été exploité mais enfin euh, bon voilà là enfin il y a autant d'Autobots que de Decepticons enfin que de futurs Decepticons dans les mines euh, Optimus c'est son ami et puis Basta enfin et euh, c'est vrai que bah le fait justement que bah Megatron notamment croit aveuglément en Sentinel. Moi, c'est un truc qui m'a un peu gêné parce que ça ne correspond pas au personnage de manière générale dans les comics euh, ou même dans les séries. Justement, il ne croit pas en, dans les leaders. Sentinelle qui est aussi vraiment euh, important dans l'or, enfin qui oui, est exactement, globalement ouais. oui. Mais d'ailleurs, euh, et qui a bien ce rôle de despote alors. Euh, ouais. oui. D'ailleurs, Sentinel, c'est le plus ça gros toujours raciste été... de la liste. Alors oui, non, mais d'ailleurs il faut, faut savoir hein, vraiment c'est un personnage qui a toujours été détestable. Alors Sentinelle, là, ils ont fait la différence entre Sentinelle et Zeta Prime. Euh, il faut savoir que c'est souvent le même personnage. C'est souvent Sentinel Zeta Prime. C'est souvent les mêmes persos Antoine. Oui, où ils se suivent en fait voilà. simplement. Mais c'est deux dictateurs dans tous les cas. C'est ouais, des dictateurs, okay. ouais, exactement. Et euh, effectivement, Sentinel, c'est un gros raciste. <rire> voilà. <rire> c est, c est... Non, mais faut, faut le dire. Hein, dans la licence, un gros raciste. Dans les comics, euh, euh, bah, par exemple, des, des films, euh, c'est un énorme oui. raciste. Voilà. Il tue Ironhide parce qu'il vient d'une tribu qu'il aime pas. D'accord euh, ah oui, ça, voilà, okay. ça donne euh, une signification ça, ça en plus ça vous donne à... un peu une idée hein, euh, c'est euh, voilà c'est un mec d'extrême droite <laughs> mmh. okay, Non hein. mais vraiment c'est vraiment enfin dans les, enfin dans les dans la série animated il faut savoir que les Decepticons c'est un peu une race à part euh, ils sont exclus et euh, Sentinel Prime bah il est xénophobe il aime pas les, les races organiques et il aime pas non plus les Decepticons par contre D'accord OK donc bon voilà c'est c'est beaucoup plus profond. C'est vrai que c'est des sujets qui n'ont pas été abordés. Et euh, moi, ça me gêne un peu. Après, c'est vraiment mon côté nerd. Hein. Oh, c'est oui, bon, juste oui, moi de mon côté. Mais je me dis, bon, ça reste une bonne introduction, effectivement, à l'histoire. Mais c'est pas la vraie histoire. Ah, <laughs> c'est voilà. vrai qu'un point aussi, justement, pour rebondir sur Sentinel Prime, euh, la différence aussi dans ce film-là par rapport aux versions, on va dire classiques du, du personnage, c'est qu'habituellement, en fait, c'est un espèce de gros patriote euh, qui, qui est un peu, si on peut dire, une sorte de suprémaciste de Cybertron. Euh, donc, qui veut euh, créer un empire, qui, qui a l'empire Cybertronien en fait, qui, qui est notamment dans la continuité Transformers Prime, à l'origine de la colonisation cybertronienne d'autres mondes. Euh, mais euh, effectivement, là, dans Transformers 1 on a plus une ambition personnelle en fait derrière ce qu'il fait. C'est le côté, euh, j'étais euh, le gars juste en dessous des primes je les ai renversés et euh, je prends leur place parce que ça me permet d'être le, le leader de la planète. Ouais, euh, C'est un peu plus manichéen en fait. C'est plus manichéen, ouais. mais je trouve que ça donne justement. Plus plus de, euh, de justification à certaines actions notamment de mégatron euh, parce que là, il veut tuer quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, alors que il ouais. y a même pas le côté il veut il veut protéger Cybertron, etc. Là, il ouais. est vraiment soumis au aucun En fait, disons que c'est euh, le bon compromis en quelque sorte, euh, ça, oui, dans oui, le oui, sens oui. où effectivement, si tu peux pas faire un truc trop profond, tu t'essaies de faire un, mé un méchant un peu plus manichéen, et donc ça justifie effectivement le basculement dans la violence de Megatron. Là où dans les comics, bah, c'est en fait un basculement, mais qui se fait sur des années et des années. C'est en fait quand la guerre éclate, euh, il devient de pire en pire et. Mmh. C'est ça, oui. En fait, dans, dans les comics, ça se passe sur déjà pas mal de numéros différents, dans plusieurs contextes différents. Euh, D'ailleurs, on a aussi Sentinel Prime et Zeta Prime dans les comics, qui sont en fait deux, deux à la suite. Ouais. Euh, et là, pour le coup, ils ont vraiment tout compressé. Et je trouve que c'est une bonne chose. En fait, c'est vraiment une... Encore une fois, on reparle du côté adaptation. Faire tenir ça sur un film d'une heure trente, c'est aussi pour ça... C'est notamment... toujours une heure quarante-quatre. Oui, c'est vrai. <laughs> Il y a les crédits. <laughs> Et effectivement, bah, j'avais écouté une interview, alors je sais plus c'était de Josh Cooley ou de Lorenzo Di Bonaventura, qui disait que justement, s'ils avaient fait de Megatron et d'Optimus des mineurs, c'était pour une question de temps, justement. Okay, une question de scénario. Euh, ils avaient envisagé de réadapter justement le côté euh, archiviste d'Optimus, etc. Mais en fait, c'était long à expliquer, parce qu'en fait, notamment quand on nous l'explique dans Transformers Prime, qui prend le temps de tout un flashback pour le, pour le faire... Euh, en fait Optimus faut comprendre qu'il était aux archives qu'il a euh, étudié toute l'histoire de la société cybertronienne et qu'il a euh, qu'il a vu qu'en fait les, la société devenait de plus en plus inégalitaire donc il s'est rapproché de Megatron parce qu'il voyait que Megatron voulait changer les choses etc etc Megatron qui était un long. gladiateur d'ailleurs dans cette continuité qui était un gladiateur mais ouais. en fait même par exemple dans les comics Balou il est mineur puis devient gladiateur Exactement, ensuite ouais, voilà. c'est un peu les deux origin story du, du personnage mais euh, mais c'est vrai expliquait tout ça enfin il aurait fallu voilà, le faire le en coup, deux films soit tu le fais en deux films comme ça soit tu retombes sur les, les durées de films Transformers d'avant exactement ouais, voilà, c'est ça problème je pense en animation ouais ils sont pas du tout là dessus hein. ouais, le Clairement. problème tu vois c'est que tu peux pas raccrocher des gens enfin faire raccrocher des gens euh, sur deux films en mode non mais euh, je vous jure que ça, ça après il y a ouais, la en guerre plus, ouais. hein? ou alors faut que je tu fasses peut-être des allers retours dans le temps permanents, ouais, ouais, machin mais c'est toute une autre dynamique c'est vraiment compliqué ouais enfin cela dit le film aborde quand même le fait que la que cette société cybernétique est inégalitaire exactement ça, on fait, euh, on fait, euh, on, enfin, on a ces mineurs qui, qui n'ont pas de, de cog et mmh. dont on leur fait bien comprendre bah, qu'ils sont pas pareils qu parce que ouais. voilà, qu'ils sont parce que bah ils peuvent pas se transformer. Euh, ça, euh, euh, tant, ouais. tant qu'ils ont pas ça, il y a des courses qui sont réservées à ceux qui peuvent ouais. se transformer. Enfin voilà, as quand même des strates de société qui indiquent que clairement tout le monde n'est pas rangé euh, à la même place de parking. Oui, Donc, en tant que test, oui, oui. ça c'est respecté quand même. Alors, ah oui, bien sûr. Non, mais c'est ça en fait. L'esprit, l'esprit est complètement respecté en fait. Ouais. Et c'est ouais. ça que que je salue, c'est qu'il y a la réinvention, il y a les modifications, mais l'esprit, l'esprit global, il est là en fait. Donc ouais. euh, c'est pour ça que euh, j'essaye de pas trop faire mon nerd sur beaucoup de points euh, parce que justement, je me dis, c'est quand même bien d'avoir réussi à faire ça. quoi. Ouais. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas compris de travers, ils n'ont pas adapté de travers, ouais. ils l'ont bien fait. Donc euh, c'est c'est pour ça que je bah, j'encourage euh, à ce qu'il y ait une suite et à ce qu'il y ait, euh, voilà, parce que euh, il nous en faut plus de, de choses comme ça. Mais dans tous les cas, le réalisateur, c'est un grand fan. Donc, euh, je pense que bon, de base, il avait compris. Oui, parce que vous, vous l'avez vous, vous interviewé. Ouais, on interviewé. Ça, oui, on l'a interviewé. Donc, il vous a dit, je suis un grand fan de Transformers. Bah, en fait, ouais, c'est un fan. Euh, bon, il était surtout fan de la série G1. Il a eu des jouets. Euh... Il a eu les saucisses. Bah lui peut-être peut-être <laughs> peut peut-être je peut sais pas on lui, lui a pas a demandé <laughs> on ne lui a pas demandé et euh, voilà quoi enfin je sais justement que c'est un fan donc ça euh, c'est cool bah, il là. est fan et puis aussi il a apporté d'autres je... inspirations hein, en ouais. termes de même d'ailleurs de... je, je suis désolée hein, juste je t'interromps euh, les fans ont, ce sont ceux qui ont le plus apporté à, à la licence voilà euh, que ce soit Nick Rocher, qui était un fan qui a travaillé chez Transmasters UK qui était donc un fanzine James Roberts qui était un de ses amis pareil aussi c'était un grand fan euh, ces deux personnes qui ont énormément apporté en fait à la licence euh, et euh je, je suis désolé de le dire, mais vraiment embaucher plus de fans, s'il vous plaît. Bah, même Daniel Warren Johnson, hein, lui-même, oui, euh, oui, écouté fan dans aussi, certains ouais. podcasts, euh, quand il s'est lancé dans les nouveaux comics du coup de Skybound, euh, il s'est basé sur certains de ses jouets qu'il avait lui-même et qui datent déjà d'il y a pas mal d'années, mais parce qu'il collectionne ça. des Transformers ouais. aussi à la base. Là où Michael Bay était pas du tout fan bah Michael Bay, non, il en est arrivé... plus, Bay, il est arrivé. En Michael Bay, disant au départ, qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une licence de jouet. Ouais. Euh, concrètement, <laughs> c'était son truc. Après, il s'est effectivement un peu intéressé, mais jamais il a. Je pense que jamais il a plongé sa tête dans ne serait-ce qu'un épisode d'une série ou d'un comics. Tu te souviens de cette interview où Il disait « Ouais, je voulais rendre cette série de jouets un peu edgy, en quelque sorte. » Oui, c'est euh, ça. Euh, bah, dans euh, les <laughs> dans les bonus du film de 2007, ouais, D'où dit... la paire de couilles, quoi. Okay. C'est ça. <laughs> Exactement. Ils veulent il il dit... que le edgy fasse son Michael Bay grand ouais, public. C'est ouais. même pas le Michael Bay ouais. de No Pay No Gain et tout. C'est juste « Bon, qu'est-ce que les gens, ils aiment ?» Tu fais wow, « Waouh, ok, ça va <laughs> <Ils> être... <laughs> » Ils aiment les nichons. <laughs> les nichons <rire> Horrible <rire> Et, Très euh, ouais, pour pour rebondir, ouais. j'ai peut-être eu un truc en miroir, euh, en termes d'indulgence. Euh, du coup, parce que toi, tu l'as justement pour euh, euh, rabaisser, on va dire, ton truc de, de maniaque, de « ok, ça, c'était pas exactement comme ça et tout ». Moi, je l'ai à l'envers sur... Euh, justement, en tant que mec extérieur, sur euh, ce qui, dans un autre film, me paraîtrait euh, soit, soit idiot, soit incohérent, soit bizarre. Et en fait, là... Euh, c'est bah c'est plus que euh, tu montes un peu ta sa suspension d'incrédulité euh, notamment euh, je sais, bah, en ouais par exemple si c'est si Cybertron c'est tu vois une planète très lointaine et tout ouais. que potentiellement ils ne savent même pas que la Terre existe enfin tu vois machin mm -hmm. pourquoi ils se transforment en camion ah, pourquoi bah. c'est des camions terrestres et tout machin mais en fait non ah, ouais. c'est pour non, mais, mais, mais c'est pour dire qu'en fait ça tu le, tu le zappes ouais. parce que t'es dans un bon film, en fait. Non, non, mais en vrai, ça, pour le coup, il y a vraiment des, euh, des réponses. Alors bon, t'as effectivement ce délire un peu en mode, bah, il euh, y a des aliens. Souvent, ils sont dans des colonies avec des aliens. T'avais aussi cette réponse en mode, bah, il y avait les quintessons qui existaient. Euh, dans la G1 donc potentiellement que c'était pour les accueillir quand ils étaient encore esclaves des Quintessons euh, et ensuite euh, je crois que dans le comics en vrai ils ont pas vraiment de vitres c'est juste des trucs bloqués en enfin, fait oui il y a d'un point de vue esthétique il ouais. y a beaucoup de, de véhicules cybertroniens qui en fait n'ont pas de vitres n'ont pas ouais, de ça exactement. à part les jets parce que esthétiquement ça rend quand même mieux oui, euh, bah parce euh... que nous on a nos références terrestres aussi sur oui, ça voilà. mais en ouais. réalité la plupart du temps c'est simplement pour se déplacer ouais. euh, pour se déplacer plus vite pour euh... <laughs> En gros, voilà. ce sont des personnages <laughs> qui se suffisent à eux-mêmes, quoi. Ouais, coup, ouais, là, euh, admettons, euh, es euh, un truc tout bête, mais euh, j'aime bien en fait euh, prendre ça comme exemple. Bon, tu es dans la panade, euh, tu te fais attaquer par euh, plein de, bon, par, par des ennemis, tu dois fuir. Bah, tu as juste à te transformer, quoi. Oui, oui. oui. Tu, tu, tu vois, enfin, bon, ils se suffisent à eux-mêmes, donc c'est plutôt puis, cool. Puis après, la réalité plus pragmatique, c'est qu'à oui, la base, des jouets, voilà, <laughs> c'est des, oui, voilà, ouais, des jouets inventés par des, des humains. De donc, voilà, il après, euh... l'autre truc où je me suis dit ça. Euh, heureusement que ça arrive en conclusion d'un bon film et d'une bonne histoire. C'est l'origine, euh, je sais pas si du coup si c'est un truc canon ou quoi dans les comics. C'est quand Megatron renomme et qui dit maintenant on va s'appeler les Decepticons parce qu'on a été déçus magin. Ouais, et bah je me bah ouais. dis bon ça vraiment c'est c'est vraiment super naze mais ça passe parce que tu me l'as vraiment bien amené. Mmh. Mais euh, parce que sinon c'est euh, c'est cliché de euh, du film solo, d'ailleurs. Ah, t'es tout seul. Bon, ben, bah, on va t'appeler solo. Oui. Avec, oui. avec la petite musique derrière. <laughs> je suis scénariste ouais, ouais. et tout, imagine. Après, faut savoir, justement, le nom des Septicons, c'était un peu naze de base. Voilà, c'est ça. Et je me suis bon. Dit, ils... bon, ils ont vraiment voulu tout expliquer, ça, expliciter ouais, non, non, le truc. Bon Alors que bon, en fait, c'est pas grave, tu vois. Oui, non, mais... mais encore une fois, c'est des trucs où t'es indulgent parce que, bah, en fait, ça, ça vient au bout d'une séquence où, euh, bah, il leur fait quand même un mini discours de, on nous a rejeté maintenant machin. Lui, il a quand même perdu son meilleur ami. Enfin, de manière mutuelle un hein, machin. Mais euh, enfin voilà, tu sens que le mec, il est construit maintenant en tant qu'antagoniste. Et, et donc, c'est euh, acceptable par, par ce biais-là. Et après, moi, c'est pour ça. Alors, je sais pas qui le fait en VF, mais l'équivalent de John Ham en gros. Donc, du coup, euh, je sais pas non plus. Hein. Mais, euh, mais lui, ce que en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un méchant, mais c'est un méchant qui fait très euh, qui fait très petite crapule opportuniste en fait. Ah oui, totalement. C'est dire que ah, c'est oui, oui, vraiment oui, oui. ce truc de, de dire c'est pas le l'archétype du méchant genre euh, je veux détruire ou conquérir ou machin, c'est vraiment j'ai trouvé une bonne planque. Ouais, et euh, oui, je veux oui, pas Exactement, oui. Vois, oui. oui, oui. Voilà. Mais, mais sauf que il le fait du coup au détriment bah, de tous ceux qui sont qui sont dans les mines et tout. Oui et euh, bah, de tous bon. les habitants. Euh, de enfin, oui, globalement, oui globalement, globalement à tout le monde euh, pratiquement. Oui. Donc ouais. Parce que c'est quand même le mec qui vend ses, ses fesses aux, aux aliens quoi. Et donc, qui euh... oui et qui en plus a ce truc, c'est vrai, vrai qu'il en fait il a ce côté vraiment petit traître de merde. Bah vois, ouais ce non. C'est euh... bah, Emmanuel Valls quoi. Vrai. <laughs> oui totalement. <laughs> oui oui, oui non, mais c'est vrai. <laughs> et effectivement ouais, je trouvais que ouais c'est Jonah m'arrivait à bien le faire parce qu'en plus pareil il a ce côté il est extrêmement lâche. Ben plus as, plus le film progresse et plus tout te dit que mais euh, déjà tu dis effectivement c'est pas possible qu'il ait vaincu qui que ce soit <laughs> oui, à oui, moment oui. de l'histoire et quand il est euh, mis face euh, face à son destin quoi face euh, au fait accompli Alors, non seulement ce qui est cool c'est que ça fait grandir Megatron en tant que méchant mais ouais lui est, devient une sorte de mec suppliant complètement pathétique et tout et je trouve c'était bien de le caractériser comme ça donc ouais. ça, ça ça fonctionne bien dans la dynamique de cette histoire-là, quoi. Oui. oui totalement et puis même le côté justement faussement euh, bah c'est notamment quelque chose qu'on voit au début le côté euh, faussement charismatique ouais. fait des grands discours qui est populiste en fait hein. ouais. ouais, euh, d'ailleurs j'ai alors ça c'est vraiment une théorie personnelle et je sais pas du tout si euh, c'était ça a été pensé faut savoir que Sentinel Prime dans la licence il a deux designs globalement là ils se sont basés sur le plus récent euh, donc qui était dans euh, Transformers Animated et la continuité de Transformers Prime donc ce côté bleu un petit peu doré etc mais il faut savoir qu'à la base Sentinel Prime, c'est un robot tout orange. Euh, donc, euh, orange, jaune, etc. Je me suis dit, est-ce ils ont pas voulu faire un grand populiste orange ah. pour certaines raisons euh... Je te senti venir là. Voilà. Euh... Ouais, gros, <laughs> gros, comme. <laughs> mais ça, c'est juste ma, ma, ma vision personnelle. Mais euh, parce que je sais qu'aussi beaucoup de gens l'ont comparé même à des personnages comme Oblander, comme tout ça, le côté un peu grand discours, ah. machin. Euh, Mais effectivement, il ouais. euh, y, a, y a ce côté. Euh, ouais. Euh, euh, tu sais qu'il y a Anguille Souroche quand il te dit oui ouais. euh, euh, ah il fait peur aucun tes sons non tu ne fais pas peur aucun tes sons <laughs> clairement pas à personne <laughs> donc euh... très bien et les personnages parce qu'on a quand même parlé ouais, ouais, de, 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 de Optimus Prime et, euh, et de Megatron mais il y a aussi euh, Bumblebee ouais. et Elita qu'est-ce que vous avez pensé de, de ces personnages que ce soit dans l'écriture et même dans l'interprétation par, par leur comédiens comédienne euh... Abda ouais, mais... Bah, en vrai, Elita, il faut savoir que c'est un personnage qui euh, revient sur le devant de la scène depuis quelques années. C'est un personnage féminin qui a été longtemps oublié, ou du moins mis de côté. Et euh, depuis quelques temps, effectivement, elle revient et je suis très contente parce que c'est un très bon personnage. Mmh. Et euh, là, en vrai, euh, on a une jeune Elita, entre grosses guillemets, enfin, bon, parce qu'en vrai, elle a quand même un minimum d'expérience. Oui, elle est plus expérimentée. Ouais, que... ouais, c'est leur chef de... Ouais, c'est ça, de ça chantier, ouais. Donc j'imagine que, bon, voilà, elle doit être un peu plus expérimentée. Peut-être un chou, il y a plus vieille, mais pas grand-chose. Et euh, ouais, enfin... Euh... C'est bah, déjà en fait un, une chef de guerre en quelque sorte avant l'heure et euh, je trouve ça très bien parce qu'en fait ça. Euh ah, disons qu'on sait en fait à peu près ce qu'elle va devenir oui voilà. c'est ça bah euh... moi personnellement ouais j'ai j'ai beaucoup aimé l'interprétation déjà le design c'est pour ça aussi que j'ai le, oui, 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 oui. le pull mais euh, Donc, j je là aimé... tu as un pull Elita, ça c'est ça voilà. bah, d'ailleurs c'est un très beau euh... bah, c'est un nouveau design et je le trouve très bien parce qu'il fonctionne il faut savoir que ce personnage euh, se transforme pas des masses euh, dans, <laughs> dans oui ou, les ou parfois, a parfois été contenu. représenté de façon un peu euh, bon bah pff... voilà quoi disons que bon ah, dites euh... les termes Bon, ah. en gros, c'est, juste quoi, lui une femme. Des, ils lui ont fait des plo mécaniques? Euh, c'est, oui. en gros, juste oui. une femme avec, genre, un petit backpack, en mode, un petit sac à dos, genre, en mode, elle se transforme. Mais en fait, non, pas du tout, elle se transforme pas. Donc. Moi, ça se transforme jamais, euh, d'accord. Qu'on ouais, qu garde, qu'on euh, garde fait, une apparence féminine. C'est ce qu'on appelle un shell former. Euh, Parmi les fans. Bon, c'est voilà. ça. Mais bah, du coup, il ouais, faut euh... remercier le ciel que Michael Bay ait jamais découvert l'existence de ce personnage. Bah, ah, le pire, si. c'est qu'elle elle est elle est, Alors, ah, elle est dans oui. Transformers 2. C'est une des motos, justement, avec Arcee et Chromia. Mais en fait, on les voit jamais. Oui. Parce okay. que Michael Bay, dans une interview, a dit On m'a forcé à mettre ces personnages. C'est pour ça qu'ils ont 30 secondes de temps d'écran et que je les tue. <rire> <rire> voilà. <Il déteste rire> parce que c'était des robots femmes. Ah. Voilà. Ah, non, Donc, parce euh... Moi, j'aurais cru que s'il était tombé. Sur les designs justement comme ça qui se serait dit ah oh bah c'est génial et tout rajouter bah, des même nichons. pas non justement c'est c'est ça qui est surprenant et pour revenir justement sur Elita il faut savoir qu'effectivement à la base c'est euh, donc alors beaucoup la connaissent comme la petite amie d'Optimus Prime parce que Effectivement, de base, elle n'avait pas ouais. été caractérisée Alors beaucoup que plus que ça. C'est plus ou moins son équivalent féminin. C'est ça, exactement. C'est plus ah ouais. ou moins censé ouais. être ouais. son équivalent ouais. féminin. Elite One, Optimus Prime, en gros. écoutez, euh, le c'est bah, euh, ouais. les meilleurs, quoi. Elite ouais, meilleur etc. Ouais, meilleurs des premiers. Ah, oui, voilà. Elite, oui, putain, ouais, j'avais ouais. même pas. Et effectivement, donc. De façon générale, la plupart du temps dans la licence, c'est elle qui reste sur Cybertron quand les Autobots et les Decepticons quittent leur planète et vont sur Terre. Elle gère la résistance. Et c'est ça, c'est elle qui, qui gère la résistance Autobot sur Cybertron, notamment contre Shockwave qui souvent reste aussi dans la G1 sur Cybertron. Euh, ça a été fait aussi dans la série Netflix qui mine ouais, de rien, même exactement. si elle est pas terrible. Il y a une plutôt bonne version d'Elita One dedans et euh, mais qui meurt lamentablement malheureusement mais euh, mais c'est vrai que, voilà, pas tout à un... hein. <laughs> c'est ça <laughs> mais c'est vrai que c'est un personnage assez fort assez de ça et très aussi caractériel euh, fort caractère euh, qui n'hésite pas à s'opposer à Optimus si s'il si le faut etc euh, et d'ailleurs à ce jour je pense que moi personnellement si j'avais un seul personnage à dire on va créer un nouveau Prime bah ce serait elle pour le coup euh, un prime féminin. Totalement. Euh, il y en a des primes féminins, mais non, pas non, en mais tout cas... Dans totalement, les... totalement. En plus, je suis désolée, elle a le, pré... enfin, elle a le prénom Elita. Oui, oui c'est vrai. Voilà, Elita, Elita prime. Prime, prime, ça passe, non, pas ouais, très, ça bien. passe très bien. <laughs> mais c'est vrai, enfin... Et puis même dans les comics Skybound, euh, enfin... Tu les as lues donc tu sais, enfin justement qu'elle est très, euh, bah, elle a été très marquée par la, par la guerre. Elle est très rude. C'est dans, dans le volume 2 Après, je sais pas si euh... Euh, je sais pas. Ouais. Pas encore sorti pas en deux pour l'instant. Hein. Ouais. Bon, tu, tu verras, mais voilà, enfin, ça te donne à peu près une idée euh, du personnage tel qu'il est représenté depuis quelques temps. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Skybound qui l'emmène vraiment Elita dans une direction assez surprenante. Exactement. Enfin, euh, je vous laisserai lire quand ça sortira. Mais j'avoue que je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle soit autant, enfin, euh, ouais. marquée comme ça. On va ça, pas spoiler hein, parce non, que c'est très Okay. <laughs> ouais, cool. euh, Mais du coup, ça veut dire ce qu'on voit, ce qu'on en voit dans le film, et en plus cohérent avec potentiellement une évolution du personnage. Ouais, oui, voilà, oui, exactement. Oui, oui, bien sûr. Enfin, du moins, c'est l'évolution qu'on a euh, récemment, enfin, okay. depuis quelques années, pour le personnage. Et sinon, pour revenir à Bumblebee, euh, j'aime pas Bumblebee. Je le déteste de base. Voilà, je, je suis désolé. Hein, je le dis, j'aime pas ce personnage. Euh... Plein de dans, genre... dans ce film ou euh, généralement. Non, de, oh non, façon, de manière, général, de okay. manière générale. Okay. Okay, okay. Plein de ouais. gens horrifiés. Euh, là, je les, ah ouais je les entends d'avance. Là, et bah, parce que ah oui, non, lui, c'est un fan de ouais. favorite, quoi. Donc, euh... Écoute, elle aime pas les handicapés. Ça la regarde. Hein. Oh wow. bah, C'était le, oh. le seul dans les baies qui ne peut pas parler. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Mais et va pas parler va normalement. Patte, et d'ailleurs, ouais, ouais. alors attendez parce que là, on arrive au point assez cool. Euh, dans Prime, Bumblebee se fait arracher la hum, sa son voice box, local. son module ah, vocal qui... par Megatron. OK. Quand on sait que dans les films il fait que de parler, il énerve tout le monde. Il y a moyen que il, bah ça arrive en fait. Et ça ouais, c'est ouais, vraiment ouais. cool. Après c'est vrai que bon voilà moi de base je déteste Bumblebee, je, je l'aime pas. Euh, Donc là, même en il comic a remplacé euh... hein? même en comic relief comme bah, ça. Encore tu... moins j'imagine. Alors... Non 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 okay. franchement je, je, en fait pour moi Bumblebee c'est juste le petit scout et puis c'est tout, ouais, c'est okay. rien de plus. Euh, J'aime bien en tant que comic relief alors rigueur, bah, Hot Rod il euh, est un peu plus marrant. Wet Shot à la rigueur, mais c'est vrai que bon voilà Bumblebee, j'en ai marre. Ouais, c'est bon. Euh, je serais pas aussi je... catégorique. Ah non mais j'en ai marre, c'est bon. Euh... Je suis... <laughs> non non non, Antoine c'est bon, attends Rio. Non. <laughs> non. Je... Moi j'ai été un peu saoulé avec le temps c'est de ce gimmick justement de faire un Bumblebee muet, pas hum. justement parce qu'il est muet, mais parce qu'on l'utilisait pour en faire un peu un. Euh, il est tout un, mignon. Un rigolo. Regardez, il fait bip bip, regardez, il parle avec la radio, etc. Oui, c'est la mascotte quoi. C'est un peu ouais, la. Voilà, c'est 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 la peluche Moi, je... que t'as envie d'avoir. C'est mega Optimus étant tout le temps très martial et sérieux, ça, ils exactement. utilisaient souvent Bumblebee, on disait « Ouais, mais quand même !» C'est un peu et le Robin euh... du Batman, tu vois Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Même et les couleurs euh... ouais, C'est vrai. Et effectivement, pour le coup, moi j'ai tendance à préférer les Bumblebee qui peuvent parler, euh, notamment la version animated, même la version G1 d'une certaine façon, parce qu'effectivement, ça a ce côté petit scout, petit, euh, euh, petit éclaireur sympathique, proche des humains, euh, qui parfois... Ouvre un peu trop sa bouche effectivement, un peu à l'image parfois de ce que peut faire un, un Spider-Man etc qui mmh. va euh, fait beaucoup parler. très très parler... attention à ce que tu vas dire sur Spider-Man quand même. Qui va... Non <laughs> <monsieur>. mais globalement <laughs> qui va avoir tendance à beaucoup parler pour évacuer une certaine forme de stress, ouais, ou une certaine forme ouais, ouais. de voilà, euh, mais qui derrière a quand même un personnage plutôt attachant. Euh, donc. J'avoue que c'est de loin le personnage parmi les principaux qui m'a le moins marqué dans Transformers One, euh, parce que bah, j'aimais bien, de son Megatron, Optimus, voilà, je les attendais, et Lita m'a agréablement surpris. Euh, mais effectivement, il remplit son rôle convenablement, c'est-à-dire que il est là pour être le comic relief. Il y a quelques blagues qui fait qui passent pas forcément, mais ça va. Euh, ça aurait pu être bien pire, surtout au vu du premier trailer. Euh, oui. j'avais vraiment vraiment peur de ça il y avait plein de euh... gens qui avaient peur de ça en fait euh, justement ouais. que ce soit un film un peu à la Marvel avec un humour bancal plein de comic relief enfin. ah bah oui mais c'était final... ce que je disais mes premières impressions ouais, du tout ça. premier teaser je me dis attends est-ce qu'en fait leur réponse à écoutez on n'arrive pas à faire des Transformers euh, entre guillemets sérieux c'est-à-dire effectivement ouais, ce on, va, vrai, on va on va pas se prendre au sérieux mais limite on va sotomoquer c'est ouais, ouais, ça, ça qui était la bonne surprise ouais, de ouais, l'évolution ouais, de l'histoire ouais. ouais. euh, juste Arnaud est-ce qu'après je pourrais parler rapidement euh, des de la DA parce que j'ai d'autres trucs mais tu en... fais ce que tu veux non, mais juste, voilà, on finit euh, le tour mais voilà. euh, je parlerai d'un truc après. oui oui bien sûr après, après sur sur l'aspect scénaristique on pourra moi, j'avais noté juste quand même euh, qu'il y avait des, des nouveaux éléments en fait, qui étaient apportés. Ouais, euh, je veux bien que vous me détaillez ça euh, en tant que non non, non expert. Que... Alors, oh. c'est-à-dire les nouvelles choses qui ont été apportées par ouais. ce film-là par mmh. rapport à la, la situation de, de générale. Ouais. Euh, alors déjà, euh... je commence, tu commences. Bah, en vrai, je peux parler de l'ADA parce qu'il y a pas mal de choses dessus. On si parle de l'ADA. Ouais. Moi, je parce peux y a parler de l'ADA. De, je... de toute façon, vu que tu voulais en parler, c'est incroyable. Tu demandes et on exécute. Ouais, hein. C'est trop bien. Tu on, vois. Dirait, on dirait l'extrême droite et le gouvernement. <laughs> Mon <'est> Dieu. <laughs> oh non, on dirait du coup les Quintessons et Sentinelles euh... aussi. Et sentinelle. et je et sentinelle. ouais, mais ça, ça marche à chaque fois. Ça marche. Vas-y. Alors, du coup, il faut savoir qu'avec Magnus, on a interviewé Josh Coulet. Ça, c'est le flex. Voilà, voilà boum, ça. Ça. Elle, oui. elle a oh failli rajouter oui, et oui. pas vous, bonne de nul. Voilà. Je l'ai pensé très fort. Ouais, oui, on l'a entendu et euh, effectivement, donc on l'a interviewé et euh, on a parlé rapidement de la DA, notamment euh, des, euh, du style. Alors, il y a plusieurs choses, justement. On a parlé euh, du côté très organique, un peu de Cybertron. Il faut savoir que Cybertron, effectivement, ce n'est pas qu'une boule un peu euh, de Métallique, métal ouais. comme ça, elle a été souvent représentée. Alors, récemment, c'est de moins en moins. Le cas, heureusement. Mais euh, voilà, là, ils ont vraiment voulu euh, rajouter un peu de verdure. Et euh, d'ailleurs, justement, je croyais l'expliquer. Il disait, mais euh, c'est quand euh, en fait ils sortent de Yacon, quand ils évoluent dans l'histoire où il y a de plus en plus de verdure. En gros, la verdure elle apparaît. Et il nous expliquait que cette verdure, elle a été amenée euh, par des astéroïdes. Donc euh, c'est euh, bah, des petits micro-organismes qui ont été. Euh... Alors, Là, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. Mais... De la science. Ouais. Euh... C'est une, une vraie théorie scientifique. C'est la théorie de la pense permis. Moi, je suis resté à la terre plate. Je... <laughs> ah oui, d'accord, <laughs> d'accord, ok. <laughs> donc la pense permis qui stipule en fait que les premières formes de vie en fait seraient arrivées euh, depuis des astéroïdes en fait et en se crachant qui sur, terre, sur Terre et qui ouais. développent ouais. du coup. Hein. Voilà, donc, on permet à, à la vie de se développer après ce qui est. On se promettait globalement. Alors, bah déjà, c'est un, enfin, un mauvais exemple de très mauvais. Pour vrai, vrai. expliquer pourquoi cette théorie est, à mon sens, un peu farfelu, Enfin, très farfelu. Mais, euh, mais c'est une théorie qui, qui <laughs> existe. Et euh, donc, ouais, Georges Couley, en fait, justement, nous avait expliqué ça. Et euh, d'ailleurs, ça peut être aperçu dans le camp des Decepticons. Euh, enfin, proto-Decepticons. Enfin, le la garde d'élite. Ouais, la garde d'élite avec oh. Starscream et tout le tralala. Ouais. Donc il y a les tentes. D'ailleurs, ils sont installés dans un vaisseau et on peut voir des sortes de euh, de côtes. Donc euh, on sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est un organisme est-ce Est que quintesson, est... Ouais, voilà, ce que apparemment c'est le cas d'ailleurs des quintessons, je vais y revenir après. Et effectivement, enfin voilà, c'est une sorte de euh, autour, il y a des sortes de de, de comment dire d'impact de, de, d'astéroïde ça se voit il y a du métal un peu fondu euh, et euh, enfin là il nous avait expliqué ça justement et euh, j'ai trouvé ça très très cool en fait on lui avait dit mais c'est super bien parce que bah, ça ajoute beaucoup de vie à cybertron c'est mmh. un peu plus qu'une simple boule euh, toute simple euh, de bah, de métal pas ouf non là vraiment c'est oui, ça fait une diversité dans le décors exactement et Il pour moi j'ai oui. toujours vu Cybertron comme euh, une planète assez diversifiée d'ailleurs ça n'a pas de sens une planète remplie de, mmh. de métal bon enfin je sais pas c'est chelou surtout que c'est censé être une planète euh, sur laquelle bah, euh, des aliens peuvent y vivre souvent mmh. donc euh, bon voilà. Euh, donc ça, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Euh, J'avais aussi demandé un truc. Alors, il faut savoir que quand j'ai vu Transformers One, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est euh, Metropolis. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, le film, métro le le film Metropolis. Ouais. Ouais, 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 okay. Okay. Okay, Justement, où t'as bah, les travailleurs qui. Euh oui. Euh, sont euh, dans les enfin dans les souterrains t'as euh, les strates euh, qui sont en haut enfin ouais, t'as ouais, vraiment ce délire là et c'est vrai quoi. que moi, j'avais posé cette question je lui avais dit oui bah est-ce que vous êtes inspiré de métropolis et euh, bon il n'a pas voulu répondre sur le scénario je pense qu'il voulait pas trop spoiler il y a moyen ah, okay. qu'il y ait deux trois trucs un peu okay. mais par contre il m'avait dit justement qu'il s'était énormément inspiré de enfin qu'avec euh, l'équipe euh, artistique oui, ils oui. étaient inspirés justement de la euh, du côté un peu art déco de mmh. du film et qu'ils avaient effectivement ça dans les références. Donc ça vraiment j'ai trouvé ça très très cool et enfin euh, on a parlé des quintessons qui ont on un... a pas parlé beaucoup encore. Ouais, les quintessons qui ont un aspect euh, organique plus que ouais. techno organique et ça j'ai trouvé ça très 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 cool. faut savoir que les Quintessons, alors de base, dans la G1, ils avaient un peu un aspect euh, d'alien à la Giger. Mmh. Mais bon, ils, ils sont un peu ridicules. Hein. Franchement, ils sont un peu goofy, ridicules. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Après, ça c'est ah oui, le juge. Ça, ça c'est le juge, en vrai. Parce que il y je, a je monte plusieurs. des images sur le wiki de ouais. Transformers. Euh, <laughs> en, <attendant, rire> Et, en vrai, il y a les soldats, enfin, tu as même les scientifiques. Et euh, c'est vrai que, ouais, bon, ils sont un peu moches, hein, ils sont un peu goofy. Et euh, ils ont été un peu réadaptés, mais... Ça n'a jamais été vraiment quelque chose de très. Euh, Parce que j'imagine, il devait être coincé entre. Le vachement côté. plus techno-organique, effectivement. Ouais, ouais, et là, en fait, bah, on dirait euh, des crustacés, quoi. C'est des, des crabes. Oui, ils ont l'aspect ouais. de crabe. Ouais, ouais. ouais. J'ai kiffé vraiment, j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait. Genre, c'est. Et puis même quand on voit le vaisseau quintesson, l'intérieur du vaisseau quintesson, on dirait un organisme. Euh, c'est en fait. un organisme. Il y a littéralement des, des côtes, une colonne vertébrale, ouais. et, et tu te dis mais en fait c'est trop bien, genre. C'est <laughs> marrant vu que c'est à ce stade, on te dit bah c'est les, les opposés aux transformers, mmh. du coup de mettre un truc ultra organique versus un truc ultra euh, ouais, robotique ouais, entre ouais. guillemets. Tu dis oui, euh, ça, ben, tu vois, ça tombe sous le sens. Ça me semble de logique, euh, de, de logique, ouais. ça. et, et D'ailleurs, euh, si je peux juste faire une petite question oui, très rapide sur les Quintessons, euh, faut savoir du coup qu'à l'origine, dans la géant, les Quintessons, c'est juste une race extraterrestre qui qui a plus ou moins une sorte de grosse influence dans la dans la galaxie et qui se trouve être les créateurs des Transformers. Ça, c'est une origine qui a été pas mal oubliée avec le temps pour faire que les Transformers ont été créés par Primus, donc leur créateur, etc. Mais les Quintessons sont toujours réintégrés à l'histoire notamment, et alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que je sais pas s'ils si y ont vraiment pensé, mais en fait, parmi les primes, on a un prime qui s'appelle Quintus, donc qui est en fait un prime de la, plus ou moins de la création qui crée des formes de vie. Et il se trouve que Quintus a créé les Quintessons, qui sont en fait une bah création qui lui a ouais. échappé. Mmh. Donc en fait, les primes ont créé, enfin, ce prime a créé, en l'occurrence, une espèce qui va se retourner longtemps après contre les Transformers. Mmh. Mais ça, le film n'en parle pas du tout. Euh, on voit juste Quintus en arrière-plan euh, dans, dans dans certaines scènes de, de flashback. Mais euh, c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que du coup, dans cette continuité, euh, les Quintessons ont cette origine-là aussi euh, Parce qu'effectivement, l'origine moderne, c'est de se dire qu'en fait, ils ont été créés, ils se sont développés jusqu'à devenir plus puissants que la race des Transformers, et en fait, ils sont revenus à servir la planète euh, pendant une période donnée jusqu'à ce qu'ils soient euh, notamment expulsés par euh, Optimus, euh, etc. Donc euh, c'était euh, voilà il y a cette origine qui a été qui a été faite et d'ailleurs dans la continuité de Transformers Prime euh, c'est eux qui installent un peu comme dans Transformers Swan Sentinel au pouvoir euh, pendant un temps sauf que dans la continuité de Prime c'est euh, Sentinel lui-même qui se révolte contre les Quintessons et qui les euh, fait euh, se dégager de la planète quoi en gros d'accord c'est ouais. pas du tout le cas ici okay, <laughs> Donc ouais. c'est moins c'est moins une carpette quoi dans Exactement, ouais dans, voilà dans ce truc là. Bah de son si parce que là pareil si tu reviens sur le côté euh, ce qu'on l'avait dit mais on était en hors spoiler de quand on disait ouais qui a côté vachement en lutte des classes politiques et tout c'est que là ce qui fonctionne euh, c'est que c'est peut-être ça je pense qui explique le, la réécriture euh, du rapport de Mégatron à Sentinel Prime et tout. C'est qu'en fait ce qui le fait complètement vriller c'est cette espèce de de ouais de bah pour le coup de, de déception absolue d'avoir cru en un en un ah faux oui, truc totalement. et oui. il se dit mais en fait genre ma vie est un mensonge en plus je suis tout en bas de l'échelle alors que ça c'est pas normal etc et là il a vraiment pas du tout la enfin sa réaction est beaucoup plus vénère que celle des trois euh, des deux autres à ce moment là il me semble mais euh, mais il y a un truc qui est où je me suis dit, ah, ils vont peut-être partir là-dessus. Et après, le film en fait plus trop grand-chose. C'est qu'à un moment, donc ils commencent à tous se transformer parce qu'ils ont récupéré des, euh, des cogs. Des cogs ouais. oui. Et euh, parce qu'il y a ce truc aussi d'être très, euh, pareil, en termes de symbolique et tout. On dit, bah en gros, dès la naissance, on t'enlève, euh, genre, limite, un truc qui est normalement constitutif euh, oui, est ça. de ton oui. être et tout. Et en plus, en t'enlevant ça, ça nous permet de t'asservir, etc. etc. Mais, lui, quand il a ces réactions très exacerbées, très haineuses et tout, du coup, euh, c'est le premier qui se transforme en machine de guerre, qui se transforme en, 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 en tank, sorte ouais, de sorte tank, mini tank ouais. à un moment. Là où et les autres sont étonnés et choqués en fait de ça. Et euh, je me suis dit, est-ce qu'ils vont exploiter ce truc un peu inexplicable de en fait, si tu as des émotions très négatives, ça influe sur tes possibilités de transformation. Parce que c'est pareil quand il se met à menacer. Alors je sais plus quel Star bras stream, droit. Ouais. c'est stream quand il menace Starscream et il transforme presque sans y réfléchir instantanément un de ses bras ça. en canon. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, Optimus est super super choqué de la transformation. Et après, c'est un truc que le film perd un petit peu et n'explique pas vraiment. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu l'exploiter un petit peu plus. On retrouve ça notamment avec Bumblebee quand il a son masque de combat et ses ouais. épées qui apparaissent de façon presque instinctive. C'est ça, à un, un côté instant. Euh, Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, il y a ce côté. Euh, ils ont un certain potentiel en eux. Euh, ils peuvent le débloquer ou en tout cas en faire quelque chose, mais ils n'ont pas au début conscience de tout ce que ça implique, c'est au début ils pensent juste qu'ils vont se transformer et que voilà mais en réalité ça va bien plus loin que ça parce qu'effectivement c'est des armements, euh, à la fin quand Optimus devient bah, du coup un Prime on a euh, les sa hache notamment euh, qui arrive grâce à la matrice, on a des lances flammes aussi euh, qu'il a sur ses bras donc effectivement il y a ce côté euh, ouais ça ça permet de débloquer de nouvelles choses et c'est vrai qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin sur ce point là, ouais pour le coup ça aurait été... Euh assez assez intéressant mais je pense qu'effectivement ça va avec le côté bah Megatron il se laisse complètement euh, oui, emporter par sûr, tu t'en quoi Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais du coup c'est c'est pas nécessairement lié à un truc du lore ça. Non pour Alors, le coup, Non 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 okay. non c'est juste vraiment... euh, il se transforme en tank parce qu'il a toujours il est énervé voilà. <laughs> ouais, bah, il c'est toujours surtout, transformé est en... presque toujours c'était soit ça soit en jet soit en hélicoptère ou en pistolet dans la G1 mais bon après Ah en pistolet Ouais, en pistolet. Ouais, c'était ridicule. Hein. Confort, ah ouais, un... ah ouais <laughs> non, ça c'était ridicule, punaise. C'est compliqué d'être crédible euh, ouais. comme ça. Là, je suis un grand méchant, mais il faut quelqu'un pour tirer. Oui, <laughs> c'est ça, voilà. <laughs> euh, mais, mais par contre... Moi j'aime bien en fait cette générosité qu'il y a. Tu reparlais de la transformation enfin avec les haches. Euh, enfin je trouve qu'il y a un débordement. Oui, oui, ce oui. que j'avais dit eh, dans, dans, dans le débrief sans spoiler aussi ce, ce débordement d'énergie en fait de de grand spectacle aussi euh, qui va crescendo. Je trouve que t'as la première bah, la scène du train en fait euh, est déjà oui, assez oui, oui. assez Spectaculaire, C'est une des meilleures, la scène <laughs> du train. Bah, je trouve, hein. bah, bah ah, je ouais, trouve ouais. qu'elle est vraiment en termes de cadrage avec les montagnes qui apparaissent dans tous les ans. Enfin, ouais. c'est un vrai, un vrai bordel de, mais qui est trop bien, qui est, moi qui me rappelle spider verse en fait, ça, par rapport ah, à moi, tu vois. Ouais, oui, je m'en oui, oui, trouve oui, un euh... peu en dessous en terme d'anime, mais en non, termes... mais... mais ça s'explique par le oui, budget. Oui, donc, sûr. là, pour mmh. le coup, je les mettrais pas en concu euh, en concu direct. Mais tu en termes de générosité à l'image. C'est, quand je disais Toy Story 4, c'était un peu pour ça aussi, c'est que tu sens que c'est un gars qui a une, mais même sur, sur son sur son CV euh, sur son CV d'animation on va dire tu as quand même ces trucs où la symbolique passe par euh, c'est-à-dire c'est vraiment du c'est vraiment du pur cinéma c'est-à-dire qu'en gros ce que les personnages veulent exprimer tout va être visuel en fait effectivement ce truc de d'ailleurs bon, je, je... je suis désolé je te coupe un peu mais il me semble justement que quand Megatron enfin bah vrille vraiment à la ouais. toute fin euh, tu as l'image qui qui s'assombrit Ouais, justement, euh, et euh, ça c'est très très cool, justement. Et euh, ouais, enfin, voilà. Évidemment, ça c'est très, euh, je veux dire, Pixar, en fait, c'est euh, l'animation moderne. Mais de, de dire, euh, on va pas forcément devoir tout expliciter, c'est à dire, t'as pas, euh, je sais pas, euh, une sorte de grande tirade de d'Optimus ou Megatron pour dire, ah en fait, euh, justement, nos potentiels de transformation sont aussi liés à nos émotions, enfin, tu vois, mais en tant que spectateur, c'est évident, c'est à dire, tu vois euh, l'évolution ouais. de chacun et tu tu t'as effectivement ce truc là tu as quand même cette scène le montage parallèle en ralenti de la mise à mort de Sentinelle oui, oui 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 où tu fais ah ouais OK là on est ah, okay. <laughs> bien violent toi okay. <laughs> on est là-dedans quoi tu vois là où effectivement je trouve que la ça symbolise en plus la réussite de ce film là sur les précédents c'est qu'autant euh, tu bah, d'ailleurs moi c'était mon cas de manière objective je peux dire ok Michael Bay est doué pour faire telle et telle et telle séquence euh, avec telle et, telle et telle technique de réel et tout par contre euh, je sais plus quand il y avait eu euh, un moment euh, Optimus qui le problème c'est qu'il termine Megatron à chaque film donc c'est pour ça que je sais plus auquel ça correspondait, <laughs> mais t'as un truc ultra violent oui. non c'est pas... peut-être pas sur Megatron c'est sur un gars qui est un traître ou je sais plus quoi mais il arrache l'équivalent de... de la colonne vertébrale ou de... Ou du, fin, tu sais, c'est un truc vraiment, c'était deux êtres il le fait humains. À tout le monde, ça, donc. Il... Euh... Ouais, après, c'est vrai que c'est devenu son coup spécial, <laughs> mais du coup, tu ne... t'es juste surpris la première fois, tu fais, ah c'est quand même ultra violent. Mais Michael Bay, filme ça comme une journée au bureau. C'est-à-dire, bon, bah, oui, c'était le chef des méchants, lui a arraché son épine dorsale. Voilà, ah, c'est normal, c'est euh... comme ça C'est pas faire. The Fallen? Oui, je pense que c'est ça. C'est oui, Donne-moi ta tête, oui. Bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais je veux dire, ça n'engendre rien dans la caractérisation d'Optimus en tant que personnage. C'est ni, c'est voilà, c'est. Il se trouve que c'est comme ça. C'était. Il peut le faire. Il le fait. Là où effectivement, quand ce truc ralenti ou c'est quoi, c'est qu'il le sépare en deux, je crois. Il l'arrache en deux. Voilà. Ou là, tu fais ah, ok, c'est bah ouais, c'est vraiment le truc fin, l'étape finale dans le truc de Megatron où en plus, man, il a carrément un truc de sadisme c'est-à-dire qu'il jubile de pouvoir faire ça, il le montre à tout le monde, etc., etc. Et donc là, tu dis ouais, ça après, je trouve le petit point négatif, c'est que là, à la fin, pour moi, t'as vraiment plus que Optimus et Megatron qui existent vraiment mmh. et qui qui éclipsent un peu tous les oui, Sidekicks, oui, oui, oui. cest que Totalement. que ce soient les Sidekicks méchants qui ne deviennent juste que ça et les Sidekicks gentils qui ne viennent aussi juste que ça et tout. Pour est le qui, coup, même est un peu Elita une... je trouve, Mais est -ce qu une... qui devient un peu arrière-plan, quoi moi je dis ce qui est quand même normal parce que c'est bah, le duel quoi ouais, c'est les, les, les frères ennemis c'est la totale quoi donc ouais, c'est quand même les personnages les, les plus importants quoi donc, euh... non pour on... moi c'est Sam Witwicky hein non c'est chial à, à bureau dans les films nuls je l'ai pas. <laughs> euh, pas un personnage on, on parlait un petit peu justement du côté euh, symbolique et euh, que beaucoup de choses passent par le visuel. Euh, aussi, un point sur Megatron dans la toute fin du film, juste oui. avant qu'Optimus l'exclue, enfin le bannisse ouais. de, de Yakon. Il y a deux points visuels assez intéressants. C'est que déjà, quand il lui dit ça, euh, on voit ses yeux à Megatron qui sont devenus tout rouges, ouais. qui ouais, redeviennent ouais. un tout petit peu plus orangés et qui redeviennent rouges ensuite. Mais aussi un autre point et que les gens ont vu à la sortie en VOD parce que c'était plus visible en bonne qualité euh, sur un... Euh, sur, bah, sur les écrans du coup on peut zoomer euh... oui et puis même on est des tarés qui font des des, des, fous. Fous. des ouais, ouais, non mais, mais, c est c est ça, non, mais faut voilà mentir, faut dire des choses on est juste des tarés faut... <laughs> et ça <a> été, euh, <laughs> euh, voilà c'est qu'en fait on a l'impression de voir sur le visage de megatron à ce moment là des espèces de larmes alors on se dit c'est peut-être juste un effet de lumière etc... Et en fait, ça a été confirmé par euh, du coup Jason Sheer, du coup qui est le directeur artistique de Transformers Swan, et par Josh Couley aussi, qu'en fait c'est une inspiration du premier film d'animation Transformers où Megatron, en fait, après un combat à mort contre Optimus, a des espèces de coulures au niveau des yeux comme ça bleu mmh. qui donnent l'impression que c'est des larmes, mais en fait mmh. c'est plus de de l'huile ou du voilà de l'énergon. Euh, et en fait là, ils ont vraiment voulu reproduire ça en hommage au film de 86, mais aussi une façon de dire euh, c'est limite des larmes de colère qui se voient quasiment pas. Hein, concrètement, quand on mmh. voit le film, on les voit quasiment pas. Mais quand on fait l'arrêt sur image, on voit qu'il y a une petite délimitation. Euh, et en fait, c'est un petit truc très discret. Ouais, et c'est un peu bleuté, justement. C'est légèrement bleuté, mais et ça se voit presque euh, pas. Je crois mais... justement que ça a été confirmé que c'était des larmes. Euh, oui, c'est ça, ça a été confirmé. Alors oui, ça, pr ça prend inspiration justement de ce truc de la G1, mais ça a été confirmé que c'est des larmes. Mmh. C'est vraiment des larmes de colère. Ça. Ouais. Mais en fait, ça se voit quasiment pas parce qu'il voulait pas que ce soit quelque chose de très explicite. Parce que, pas non plus enlever à Mégatron le côté très dur, etc. Et puis, même au-delà de euh... tout ça, les gens euh, ils seraient en mode Mais c'est un, un robot, pourquoi il pleure ouais, Oui, bon, aussi, oui, voilà, oui c'est ça. Le ouais, côté césar, faut pas lui enlever son côté vrai méchant, pleure pas. Voilà. <laughs> ouais, voilà <c> <laughs> gros, ça. Gros, gros robot, très méchant, pas euh, pleurer Alors, je tiens juste à dire hein, Dans les comics, c'est dit W. Alors, il pleure pas, mais euh, c'est un, un gars très sensible, hein, c'est un poète. Voilà. voilà, je tiens à le dire. un poète Ouais, c'est important. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai un de Toute ces notre poèmes. communauté viriliste est sûr, qui, maman. Euh, okay, qui, en prend un poisson rade. Exactement. Ah, non, je te jure. Non, mais voilà, c'est. Très, très bien. Et alors, ben bah, en ouverture, ce que je pose souvent comme, comme question au moment de conclure, mais, mais la, la conclusion n'est ah, jamais faite. Moi, fait je je de Megatron. C'est plus que Malcomic, c'est aimer Césaire, carrément. Bah ouais, ouais. C'était oui, un oui, poète oui, à la base. Oui, oui c'est vrai. Très, un être euh, sensible qu'on a très, euh, très Faudrait, faut, tu devrais faire une vidéo comme ça. Et si les Transformers étaient des hommes politiques et tu les t'adaptes <laughs> comme ça genre... Oh mon Dieu, Antoine bah, Vous, vous euh, parce que vous êtes non, spécialiste attends, en plus attends, sur, euh, sur la chaîne. Tu ça rigole, a dû être fait. Hein, non, non, mais tu rigoles, non, tu, ils tu ont rigoles. J'avais fait une vidéo un peu shitpost avec Antoine, justement, à l'époque. C'était une cheerlist bord politique des personnages des Transformers. Hein. Ah bah, ah bah bon, voilà, bon. Bah voilà. Ah. Elle est en privé désormais. Parce Elle que... est en privé parce que, <laughs> bon voilà, mais c'est vrai que... <laughs> Et bah, bah faites-en, faites une nouvelle vidéo et, euh, et Sentinel Prime et euh, Manuel Valls, ça, euh, voilà, je, <laughs> ah, là, tiens là, pour le coup, j'avais comparé l'époque Starscream avec Manuel Valls, mais bon. <laughs> oui, parce ah, qu'il y, y avait le côté opportuniste oui, de, de Starscream. Euh... Ouais, ouais, Voilà. Ouais. Oui, parce mais, plus, mais Starscream est pas une, mais Starscream, mais est pas une lavette comme, euh, Sentinel Prime par rapport oh, à... dans les comics. Euh... Quand même. Mmh. Je sais pas, bah, parce que dans le run de Daniel, euh, justement, il... Ah, oui, oui, oui. Oui, il est super violent. Si te... ouais, ouais, non, il est si très violent, il est. Voilà, mais il... Et non, sinon, autrement, c'est une lavette, hein. Ouais, c'est aussi une lavette, très bien. bien. Bon, bah, dans, dans le cas, ça marche aussi. <laughs> euh, mais donc, ce que je voulais dire, c'était que pour rire, est-ce que, ouais, est-ce que, est-ce qu'on sait si une suite est en développement ou pas? Est-ce que vous attendez, euh, en toute logique il y a une, une suite? ou une suite en ou, développement. Ou ouais. Alors... Enfin. Il y a, a eu ce que tu viens de briser le NDA euh, ah. de ton interview avec Josh Cooley. Euh, aïe effectivement, il y a eu une interview il y a bah, quelques jours au moment là où on enregistre du président de Hasbro Entertainment okay. qui justement disait qu'actuellement, ils sont en train de travailler avec Josh Cooley sur des nouvelles choses. Mais en fait, puisque c'est resté très vague, je suppose que c'est simplement une question de ils n'ont pas validé la chose et puis de toute façon c'est Paramount aussi qui distribue. Euh, à savoir que le budget de ce film-là du coup 75 millions a été réparti entre trois studios, enfin entre trois producteurs 25 millions à Paramount, 25 millions à Hasbro, 25 millions pour tous les autres studios de production. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui euh, le film ne sera pas rentable en salle, euh, de peu mais ce ne sera pas le cas. Ouais parce que si ça là euh, à l'heure où on enregistre c'est 128 millions. Euh... C'est ça. Ouais. ouais donc non. Euh, ce sûr, ça, 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 ça. En plus, il est déjà en VOD, donc ok, d'accord. C'est ça. Donc ouais, après, il y a la VOD, pour la VOD en vrai. La VOD et les ouais, ventes de jouets, parce ça. que pour Rise of the Beast, par exemple, ça avait été assez important. Mm. Euh, L'an dernier, du coup, Rise of the Beast qui avait fait un score euh, médiocre, on va dire, au box-office, mais suffisant pour tout juste rembourser ses frais, mais pas, pas de grand-chose. Par contre, asbro à côté avait dit, oh, mais nous, les jouets, on les a très bien vendus. Donc, euh, <laughs> ouais. et en fait, généralement, puisque a aussi une part dans l'argent investi dans ces films, bah. En ils fait, peuvent être un levier ils peuvent être un levier et dire bah en fait ça. on va peut-être plus investir dans le film suivant Paramount donnera moins mais le film se fera quand même en fait c'est ça Parce aussi je vais pas te mentir si, si genre j'ai un crossover euh, cinéma dans l'univers de Rise of the Beast avec les, G, avec les nouveaux G.I. Joe mais que j'ai aucune suite à celui-là oui non ça c'est terrible ce ouais, serait terrible euh, non, euh, non, en vrai je pense qu'on l'aura moi je te je, je, je dirais qu'on vit dans un monde où c'est quand même très fort oui il y a un euh, monde c'est il y a. aussi malheureusement en fait je pense ne brise pas notre cœur <laughs> s'il te plaît euh, ce qui me fait très peur ce serait que justement les exécutifs chez Paramount retiennent la mauvaise chose de Transformers oui. One. on arrête l'animation voilà c'est ça non s'il vous ils pourraient très bien retenir le côté euh, ah mais oui mais c'est parce que c'est en animation donc on va se concentrer sur le live action machin. Ouais. Alors ou alors ils pourraient très bien se dire que la campagne marketing a été désastreuse et qu'ils l'ont sorti à un très mauvais moment mais ça voilà c'est euh, malheureusement on, on a non, bien vu par le passé vois, que... non, attends deux secondes tu leur demandes d'assumer leur tort, leur bêtise. Ah oui, c'est ça. Non, non, mais parce oui, que la campagne de a été, ah, mais nulle. Nul, bah, mais inexistante. Euh, déphasée et, euh, assez discrète, quand même. Puis, ouais, euh, ouais, le, 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 film, le film sort en septembre aux États-Unis. Il et... sort un mois après chez nous, parce qu'en fait, pour les vacances d'octobre, ouais. en fait, de, 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 mais, de la. enfin. Ans, au ouais, final, tout le monde avait elle déjà elle vu. Il avait a des été spoils décalé. sur Internet. La veille de la sortie officielle en France, le film était déjà en VOD. Et le pire, je crois ah que oui, c'est un bah des ça, films oui, bah ça, les oui. plus téléchargés. Euh... Bah, c'est un des films les plus piratés ces dernières ouais. semaines justement. Okay. C'est ouais, bah... vraiment craignos. Mais c'est vrai. Par contre, quand on avait eu Georges coulet en interview, il nous avait dit qu'il avait des idées pour une suite. Alors, par contre, c'est en pour parler effectivement. Oui, ils ont effectivement ils ont les grandes lignes. Et donc toi tu veux le film où euh, les Quintessons euh, reviennent et on apprend qu'en fait c'est Quintus qui les a créés. Alors si jamais il y avait vraiment... Dans le gros chose... twist de fin où, <laughs> où en fait à chaque fois les... celui ça... que tu penses être un héros est en fait bah, est euh, dire, responsable, es vraiment... plus responsable derrière... Parce de que là tu as, euh... euh... as, as eu la revanche d'essayer de... Ouais, machin, maintenant on est plus potes Et là tu vas voir je suis votre père à tous. <laughs> c'est ça. Non mais pour, pour le coup effectivement, euh, je pense pas qu'ils iront jusque-là parce que c'est vraiment un truc de nerds. Mais bah, vraiment... euh, surtout que ça donnerait une raison encore, enfin une raison de plus à Megatron euh... oui de pas vous... De là tu vas voir avec les primes plus que radicalisé là c'est ça il va en finir avec les primes vous lui donner un autre prime qui a fait de la merde super oui c'est ça non mais oui c'est ça c'est bon écoute Josh faudrait que tu arrêtes de dire que les révolutionnaires sont pas si méchants que ça non mais c'est c'est vrai que oui enfin pour moi de toute façon en termes de suite c'est pas compliqué je veux dire, maintenant faut embrayer sur le début de la guerre et comment est-ce que moi je pense que justement un des thèmes qui peut être abordé oui, attends, je te, je te laisse juste... Non, je, je suis désolée, mais juste... Moi, alors C'est mon côté nerd hein, qui parlait tout mais je suis sûre qu'un film sur les vrais cœurs, ça plairait à tout le monde. Ouais, en tant que spin-off, plus. Oui, oui, coup. oui, non, mais je sais. Sur mais, qui Alors, ouais, sur les, qui Les Wakers. Euh, bah, justement, j'en avais parlé ouais, au tu, début. Ouais. Et euh, c'est un groupe de d'autobots de, ouais, un peu élite, soldats. Et euh, bon, c'est vraiment... Euh, T'as vu les enfin vous avez vu les héros euh, les héros des des années 80 là bien baraqués les, 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 ah, les action heroes, heroes oh, non, ouais mais à l'ancienne hein, hein, voilà, quoi genre Sch Schwarzenegger exactement exactement bon c'est un peu une caricature ah de, mais il y a il y a Ultra Magnus dedans il y a ultra dedans, mais Springer Impactor et euh, c'est aussi une grosse critique des bah, de la guerre de manière générale euh, et euh, alors je, je, je suis désolé pour le terme hein, et des bandeurs de guerre voilà aussi euh, <laughs> voilà totalement. et euh, effectivement c'est une grosse critique de la guerre et euh, ça parle bah, de, de crimes de guerre ça parle des atrocités de la ah, guerre ah faut pas faire ça en ce moment je crois alors ouais, non, non ouais, peut-être pas, pas, bon, peut pas, pas, pas en ce moment c'est pas bon. c'est pas un studio américain qui va dans scène genre non non surtout pas après en vrai encore ce serait encore Enfin, le bah, sous-texte, sous-texte, entre mm. guillemets, parce qu'en fait, c'est là, à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est tellement est violent, frontal oui, et oui, assumé, ouais. est évident que. En tout cas, Mais, je est-ce qu'on ouais, aurait pu parier sur par ce propos-là Oui, voilà, c'est ce vrai. Là, vrai ouais, ouais. Ouais. En tout cas, ouais, je, je kifferais avoir ça. Et euh, mm. sinon, par contre, juste pour rebondir, euh, juste euh, sache que les Transformers, il y a souvent hein, une question de génocide. Ouais, oui, bien. Oui, donc oui. Euh, voilà, plein de thématiques il fait bon aborder. Exactement. Voilà, euh, ouais, en ces <laughs> trouble et moderne et que les Américains n'auront aucun problème à faire passer dans voilà, un film d'animation. Après je pense que l'animation c'est un bon cheval de trois parce que ouais. si tu si vraiment si tu débarques dans un studio sur une quand même une grosse euh, licence, c'est quand même mmh. un truc qui génère chaque année énormément d'argent ne serait-ce qu'avec le côté Hasbro et que tu dis bah moi en fait c'est un film live et euh, voilà mon histoire, c'est ça. Je pense que tu as plus de chances de te faire retoquer même pas forcément ton film au global mais je veux dire bon là par contre on trouve ça un peu un peu trop euh, un peu trop évident et un peu trop euh, aussi j'imagine en mode hollywood parce que, voilà, ils peuvent dire même limite c'est trop radical et tout mm -hmm. machin. Là où l'anime en fait te permet de faire quand même exactement la même chose oui, bien sûr, ouais, ouais. vraiment de manière euh, assumée et évidente ouais. et euh, parce que ça doit être vu comme euh, Oh mais ça va, c'est quand même un peu mignon. Alors que, tu... ouais, enfin, les thématiques sont très sérieuses quand même et tout. Et je me dis peut-être un film de oui, guerre. Oui, oui. Trop... Mmh. Sur Cybertron, entre les deux factions, ouais, ça où t'as vraiment ouais. les. Et où y a pas d'humains, en fait aussi. Et y a ouais, voilà c'est voilà. ça. Et mais où t'as tous les tropes du film de guerre, c'est-à-dire gros, bah, oh, la dénonciation, le les atrocités, enfin ouais. le total. C'est pour ça qu'un film sur pas. les records, ce serait trop bien. Oui, on a compris, tu voulais un film <laughs> sur les records. Tes <laughs> <Les> doléances <laughs> ont été entendues. <laughs> et bah toi tu disais, tu me disais aussi un petit peu ce que ce que tu ouais. voulais du coup. Oui bah globalement oui, c'est ça le début de la guerre et puis euh, voilà hein, c'est. Et donc, ouais. et splinter, toi. Moi, moi, je reste sur ouais, euh, film de guerre, euh, film Aussi. de guerre sur Cybertron. Avec, en plus, tu peux continuer les trucs. Parce que là, ce qui est un peu frustrant, c'est que tu peux avoir l'impression que c'est euh, euh, presque inachevé dans le sens où tu as une montée absolue dans l'évolution de Megatron et tout. Et euh, mais qu'après, c'est bah, ça retombe sur. Euh, maintenant, j'étais ba j'étais battu à la bagarre, donc va là-bas. Oui, euh, un peu, oui, oui, oui. <rire> Mais <rire> si tu le si tu le mets en mode bah la suite c'est quoi bah c'est une vraie guerre ouverte entre les deux. Là tu peux avoir encore plus le côté amitié brisée parce que tu vas avoir des deux côtés des gens qui vont tuer des proches de l'un et de l'autre. Et là pour le coup tu tomberas pas sur euh, bah, l'inexistence totale de, de sentiments que t'as dans dans les bastons chez Michael Bay ou les autres. Oui, voilà, c est c est ça. Ça. En fait euh, c'est exactement vous... ça parce que dans les enfin Transformers c'est justement enfin un déchirement. Oui, enfin voilà, quoi, ils se dépiotent et puis ouais, c'est vraiment des deux camps qui deux bases enfin, euh, c'était deux amis mm -hmm. mais qui finissent par se déchirer et en fait euh, bah ils sont ils sont tous les deux entraînés un peu dans cette dans cette folie. Euh, oui, puis une fin... société qui se divise et qui s'entretue ouais, en fait ça. Euh... Et sur des milliers et des milliers d'années. Donc euh, ouais, en vrai, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Parce que c'est si moi tu me fais le je sais pas le apocalypse na ou le ou le full Metal jacket euh, mmh. sur Cybertron, euh, j'achète. Tu vois, même en plus en ayant aussi en tête le fait que chacun ils vont devoir recruter des des Transformers qui sont pas initialement. Euh, oui, totalement. Oui, fait oui. pour être tous des guerriers. Ouais. C'est-à-dire que en as aussi, donc tu peux vraiment avoir. Euh, ben, je pense plein de possibilités cool, quoi, tu vois. Après, ce que tu vas totalement lâcher. Enfin, si tu peux aussi avoir des, des côtés marrants, peut-être dans les interactions que oui, oui, oui. des personnages secondaires peuvent avoir entre eux. Par contre, oui t'auras pas tout le premier acte où c'est une sorte de comédie d'action, voire comédie pure, non, dans pas ce très film -là. sérieux tout de suite. Ouais. Ouais, Là où pense, effectivement ouais. tu, tu quittes de plus en plus ce truc-là. Mais après euh, ça s'écrit aussi, tu peux avoir... Euh... Bah, euh, ouais, en vrai, il y a des comics où justement ils arrivent à faire un bon, bon milieu, enfin, très un bon bien. mix. Ben, bah écoutez, euh, on se reverra dans ce cas-là, s'il y a un Transformers 1-2, du coup, qui s'avère à Transformers. Ouais, du coup. Transformers je... 1-2. Ouais, c'est ça. <laughs> je pense que voilà. Je pense pas, mais. C'est ça, ça bah, enfin, sera Transformers est... 2, du coup, Après mais. peut euh... Transformers 1-2 free, à l'Algérie. Tout à fait. Ouais, ça voilà. devient un match de foot et ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas et En tout cas, on s'en reparlera. Merci beaucoup Magnus et Ada d'avoir été avec euh, avec nous dans ce podcast. twitter je te remercie plus à force. Toi, de toute non, façon, si c'est bon. devenu une habitude. Euh, on vous rappelle que si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez le faire savoir en la partageant sur les réseaux sociaux, en en parlant autour de vous et en nous soutenant si vous pouvez encore sur notre Tipeee Magnus, tu as une chaîne sur YouTube où tu fais des vidéos principalement consacrées. Exactement à Transformers et à Da, tu es, tu, es, tu es aussi un peu sur la chaîne. Il me semble. Avec, euh, lui, ouais, je travaille avec lui, je travaille avec lui. J'ai mon site qui s'appelle Joint. Ball Joint et tu as un compte Instagram aussi @harina où tu montres aussi bah, tes dessins. Oui, as notamment fait un, bah, une sorte de print, je crois, de de Unicron ouais. qui est absolument euh, splendide. Je vous invite à Thanks. aller regarder la vidéo de conception <laughs> qui est vraiment euh, très bluffante. Vous avez les liens euh, de la chaîne et du compte Insta dans la description. Merci toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. Salut. 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 Ciao.